Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième épisode de la série On en parle. Et aujourd'hui, on va parler des défis, des problèmes des entrepreneurs africains. Et nous sommes en compagnie de Guévin qui va nous rejoindre. Il est là, hein. Le temps juste que j'annonce. Il va nous rejoindre et on va discuter. Je tiens à préciser que voilà, on n'est pas donneur de leçons ou moralisateur. On discute pour s'éveiller, pour apprendre. Et ouais, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je crois qu'on nous suit sur Facebook et Instagram. Donc, si je regarde là, c'est Insta. On nous suit de là. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez rejoindre le live. Je tiens à préciser que sur YouTube, ici, on peut intervenir jusqu'à 10 personnes. Donc, si vous voulez rejoindre le live, n'hésitez surtout pas. Et voilà, Instagram, je vais vous mettre le lien de la page YouTube où le live se déroule et vous pourrez venir là. Parce que voilà, Instagram n'est pas très commode pour un live à plusieurs. Bon, je suis entrée, Kevin. Et sans plus tarder, on va commencer. Bonjour Kevin, nous sommes en live enfin. Super. Salut Laetitia. Salut, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va, ça va. Un dimanche soir comme ça, posé. J'espère Ouais, que... obligé, hein. Ouais. Alors, bon, écoute. Moi, je pense que les gens sur ma chaîne, ils me connaissent. Je m'appelle Laetitia. J'aime tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le développement personnel, en gros, tout ce qui permet de faire évoluer, de grandir, d'apprendre. Et aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir Kevin, parce que je sais que lui aussi, il est très intéressé par ces sujets. Donc, je te laisse te représenter parce que tu étais là l'épisode dernier. Donc, je te laisse te présenter. Super, merci déjà Laetitia pour ce live. Et je suis Kevin Dango, je suis entrepreneur, je suis formateur également et je suis auteur de ce magnifique bouquin, Les défis de l'entrepreneur africain. Très bien. Donc, et je suis en train de. Il y a deux livres également qui vont sortir, je pense, un cette année et l'autre en début d'année prochaine. D'accord. Le deuxième livre, ça parle de freelance. Et le troisième livre parle d'agilité des entreprises. Pourquoi l'agile ne marche pas dans les entreprises? Pourquoi l'agile ne marche pas? D'accord. En tant que PO, je ne sais pas. Bon, c'est autre chose. C'est vraiment, ça Ah, sera tu es PO, très vraiment... bien. Ouais, donc ce sera vraiment un autre. Super. Ouais. Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il faut une configuration hybride en fonction des sociétés? Est-ce que les vieilles sociétés ne changent pas forcément? Donc... En gros, disons que c'est un cumul de retours d'expérience terrain que j'ai de par les coachings, les formations, les accompagnements que moi et mes collaborateurs nous faisons au quotidien. Et ce qu'on s'aperçoit en effet, c'est que l'agile ne marche pas déjà premièrement parce que bon, je vous fais découvrir sur la chaîne de Laetitia ce que j'ai renseigné dans un livre qui n'est même pas encore sorti. Ouais, C'est vas-y. que. Exclu. C'est qu'en effet, l'agile est perçu comme une méthode alors que c'est une philosophie. Donc, D'accord. si on perçoit ça comme la méthode, c'est clair que, elle ne sera pas perçue, déjà dans l'entreprise. Dans les entreprises, je vais dire, on a, en fonction des départements, différentes cultures qui sont déjà implémentées. Donc, si on considère ça comme une méthode, c'est clair que telle qu'elle est perçue chez le IT, elle ne sera pas perçue de la même manière chez le métier, elle ne sera pas perçue de la même manière chez, par exemple, les RH et tout. Par contre, si on l'aperçoit comme une philosophie de travail, elle pourrait être perçue un peu de la même manière dans l'ensemble de l'entreprise. Bref, il y a pas mal d'autres Ouais. exemples qui nous prouvent en effet que parce qu'on l'aperçoit mal, on a en effet des freins qu'on va rencontrer et derrière, les choses ne marcheront pas Vrai comme il faut. qu'on en discutait, je te coupe pas, enfin, ouais. Oui, J'en oui. discutais aujourd'hui avec quelqu'un, je lui disais, en fait, l'agilité même pourrait occuper ces postes-là, enfin, avec deux personnes, des gens, on s'est dit ça, pour occuper ces postes-là, il faut vraiment être comme ça, c'est-à-dire, il faut.
croire en ça, il faut vraiment être intrinsèquement une personne qui pense à fédérer, regrouper, propager, je sais pas, communiquer, tu vois, il faut vraiment avoir ces valeurs-là. Je me disais, ouais, Ouais. bon, ouais, ça peut faire l'objet d'une autre discussion, mais revenons à nos moutons. Bien évidemment. Alors, bon, moi je te connais, on va laisser la petite histoire. Moi je te connais, mais Ouais. je te découvre hein, en tant qu'écrivain. Je découvre ta plume. Je découvre ta plume, j'ai beaucoup aimé le livre et je dois te dire que je suis restée sur ma soif. Alors, je vais faire ma critique après. Mais du coup, pourquoi ce livre en fait? Pourquoi ce livre? Alors, pourquoi le livre? Très belle question, très très belle question. Pourquoi ce livre de combien de pages? De 200 et poussière de pages. Ouais. Alors, premier roman, il faut savoir que c'est un essai. Et dans D'accord. l'essai, ce que l'auteur fait, c'est qu'il jette des idées et il D'accord. attend en effet que ces idées soient challengées. D'accord. Et moi, je suis parti sous un concept qu'on appelle l'empirisme. L'empirisme, ce que ça dit, c'est que les idées qui sont exprimées dans le livre sont basées, premièrement, sur les faits observés. Et je suis parti d'un deuxième concept que j'appelle la proactivité, D'accord. c'est-à-dire être avant-gardiste par rapport à ce qui pourrait se passer en Afrique. Mon livre, il est sorti en 2000, je pense en 2019 ou 2020, je ne sais plus trop. Très bien, 2020. Ah. En 2020, et je parle d'un... Pourquoi est-ce que je parle de proactivité? Parce que dans le livre, je parle d'un concept qui m'a donné raison, en effet, il y a quelques mois. Deux présidents africains m'ont donné raison. Le D'accord. premier président, c'est Alassane Ouattara, et le deuxième président, c'est Macky Sall. D'accord. Pourquoi? Parce que dans le livre, je parle justement de... comment est-ce que je vais appeler ça? Je parle de pollution. Ouais. Et en parlant de pollution, je dis en effet que à travers le monde, on parle de COP21, on parle de Laetitia, juste une petite parenthèse. Est-ce que je pourrais avoir le lien dans la discussion? Il y a pas mal de messages qui arrivent. Le lien, le lien, le lien, le lien. Ah d'accord. OK, le lien du live. Excusez-moi, je Très bien. suis novice avec milliards et ouais. Je pense qu'il faut un administrateur derrière. Donc la prochaine Si. fois, je penserai, oui. Mais bon, pour le moment, j'improvise, je suis tout. N'y a pas de souci. On est Alors, agile, on est agile. L'amélioration t'as continue. vu? Oui, toujours. Hein? Pour le moment, j'improvise, je suis tout. Bon, je N'y a pas de m'enlève le souci. temps. Tac. Alors, j'envoie le lien. C'est vrai que moi aussi, il y a des gens qui me demandent le lien. Donc voilà le lien. Attends. Bam, bam, boum. Je pense que j'ai des 30 000 liens là. Très bien. C'est Je... bon? Oui. Alors, clac. Super. Alors, tac. Parfait. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, venez, en fait, c'est le moment de parler des défis des entrepreneurs. Arrêtez de juste dire ça, je ne sais pas, au quartier, venez, on discute. Et là, on se confronte, comme il a dit, son livre, c'est un essai, donc il va être challengé. Moi, Ouais. j'allais commencer par ça, en Très bien. fait. Donc, en effet, comme je disais, l'idée ici, c'est premièrement de mettre des idées, de proposer, disons, des idées déjà basées sur les faits observés, et deuxième point, d'être avant-gardiste sur ce qui pourrait advenir dans le futur en Afrique. Et comme je l'ai précisé, deux présidents m'ont donné en effet raison, parce que je D'accord. parle de pollution dans le livre, et parlant de pollution, les États-Unis, la France, la Chine et toutes ces grandes puissances-là aujourd'hui sont en train de dire en effet qu'il faut limiter, je vais dire quoi, il faut limiter les émissions Oui. de CO2 un peu partout dans le monde entier. On a parlé de COP21, de COP ceci, COP cela, pour en effet signer des chartes qui permettraient de limiter ça et là. Mais la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que ces pays qui parlent
ont déjà, Ah, je d'accord. veux dire comment, un certain développement, ont Ouais. déjà une certaine assise. S'il faut traduire le développement comme les gratte-ciel, les usines et autres, parce que la notion de développement peut être également perçue d'une autre manière. Moi, je perçois ça de cette manière-là. Donc, ils ont déjà des grosses usines, ils ont déjà des gratte-ciel, mais l'Afrique reste un continent qui, lui, n'a pas encore amorcé son développement, disons comme ça. Ouais. Donc, ce serait un peu, pour moi, faux de dire à l'Afrique, pense déjà à réduire tes émissions, si, alors que l'Afrique n'a même pas encore commencé disons, à amorcer son réel développement. Donc, dans le D'accord. livre, c'est en quelque sorte des idées comme ça que j'essaye d'émettre pour. Je comprends mieux le titre maintenant. Je comprends mieux le titre de défi en fait. Donc, si tu veux, le livre, pour moi, j'ai noté. Hein. Bien. Alors, pour moi, le livre, c'est. Enfin, oui, on commence par le début. D'accord, la dédicace, tout ça. Il fait son écrivain. Cool. Je vois la dédicace à ma mère, Claire Diomani. C'est la fête des mères aujourd'hui. Oui. Et j'ai beaucoup aimé le premier proverbe. C'est vraiment le premier. Quand tu traverses une rivière, avant de te réjouir d'avoir traversé, il faut tenir la main d'une autre personne. Oui. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, ça répond peut-être à ce que je voulais dire, que voilà, l'Afrique doit, selon moi, si j'ai bien entendu ce que tu veux dire, l'Afrique doit contextualiser les défis du monde. Non, l'Afrique doit prendre conscience des défis ou l'avancée technologique dans le monde et contextualiser ses solutions. Je vous spoil pour le livre, mais en gros, je pense que c'est ça. Oui, en quelque sorte. Après, principalement parlant de la citation que j'ai mis ou du proverbe que j'ai mis dans le livre, c'était, je faisais référence principalement à la diaspora africaine ou à comment on se comporte parfois en tant qu'Africain. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que on a tendance à croire qu'il faut un Camerounais à la NASA, il faut un Nigérian. Je sais pas, à l'Élysée, il faut dans les entreprises, dans les grandes organisations, on a tendance à croire qu'il faut un Africain et qui va représenter tout le continent. Moi, je dis, en effet, à travers ces citations, que c'est tout à fait le contraire. Si tu traverses une rivière, avant de dire oui, je suis fort, je suis brave, je suis géant, pense Ouais, à tenir la main des autres. c'est Donc, ça. pour moi, c'est pas important qu'on dise Tidiane Thiam, c'est le premier Africain à être directeur du Crédit Suisse, et puis quoi. On s'en fout. Ça, oui, moi j'ai Il doit été. être le premier et pas le dernier. Il doit tirer la main. Après, je sais pas une critique envers sa personne. Hein. C'est pour Non. simplement dire qu'il faudrait qu'on multiplie les Tidiane Thiam. Il faudrait que Laetitia, qui aujourd'hui a une chaîne YouTube, ne pense pas qu'à être, je sais pas, la seule ou alors l'unique ou alors non. Qu'il puisse avoir une multiplication de Laetitia à travers le globe et à travers le continent. Donc, On c'est dit plus comme ça ça, on dirait que déjà ma Laetitia pensée. un compliment. Ou alors, je ne sais pas, un truc cool. Bon, ouais, moi j'ai été touchée par la situation parce que, en fait, j'ai à cœur de voir notre Afrique se tenir la main, en fait, collaborer et avancer ensemble. Parce qu'on a tellement besoin de figures inspirantes qu'on a l'impression que ça va être toi là-bas. Je ne sais pas, on attend quelqu'un d'ailleurs. Pourtant, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être l'autre. En fait, c'est nous, en fait. Il n'y a personne d'autre. En tout cas, dans notre époque, dans le temps que nous vivons, c'est nous-mêmes. Du coup, la citation m'a beaucoup parlé. Tu me dis que le livre, c'est un essai. Bon, je continue, attends. Pas de Il souci. m'a dit, je ne me pose pas en donnant des leçons, je propose humblement quelques pistes qui aideront notre continent à sortir de sa situation aussi désolante qu'inquiétante. Je ne suis ni philosophe, ni sociologue, encore moins ethnologue. Je suis citoyen, un enfant d'Afrique qui est soucieux de la condition précaire des travailleurs en Afrique. La concurrence déloyale, et j'en passe, je ne vais pas vous spoiler tout le livre. J'ai beaucoup aimé cette partie, et ça m'annonçait déjà plus ou moins ce que je pouvais lire. J'ai beaucoup aimé les trois premiers, je vais te dire ce que j'ai aimé ensuite. Je ne suis pas très d'accord avec toi sur quelques chapitres. C'est un essai, c'est normal. Seulement quelques. Mais je pense Ouais. qu'aujourd'hui, en 2022, tu l'as écrit en 2020. Je comprends pourquoi aujourd'hui tu es formateur, je le rappelle. Je comprends pourquoi aujourd'hui tu Oh, es ça n'a rien à voir avec le livre. formateur. Rien à voir, tu as quand même parlé de easy training dedans. Parce que selon moi. Ouais, vas-y. Vas-y. Alors, quand je dis que ça n'a rien à voir avec le livre, c'est quoi? C'est que
C'est vrai qu'il y a, je parle de l'entreprise, mais je parle dans un tout petit, c'est à peine 3, 3, 4 lignes. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la plupart, oui, si. Disons que la plupart des chapitres dans le livre évoquent principalement les défis ou les difficultés que rencontrent aujourd'hui la société africaine, disons comme ça. Donc ce n'est Ouais. pas forcément lié à mes activités professionnelles. Donc même D'accord. si en parlant de numérique dans le livre, il y a une petite corrélation, mais ce n'est pas forcément lié. Ce n'est pas le livre qui m'a fait devenir, ou alors ce sont pas mes activités qui m'ont fait penser au livre. Oui, mais pas du tout. Je ne pense pas du tout que le livre t'ait fait devenir, mais je pense que dans la phrase quand tu as dit, je suis soucieux en fait, je suis Oui. soucieuse, c'est ma vision des choses. Quand moi je suis soucieuse aujourd'hui, tu sais que, enfin, avant, j'étais pas forcément le genre de personne qui va prendre la parole devant une caméra à parler, mais Oui. je pense qu'il y a un souci d'évangélisation, c'est-à-dire que on doit, Là, on est d'accord. voilà, si on écrit dans des livres et que je sais pas, tout le monde n'est pas porté à la lecture et que aujourd'hui il y a le numérique, tant qu'à faire des vidéos, tant qu'à faire du training, comme C'est tu dis. vrai, c'est Voilà. vrai. Ouais. Donc moi j'ai bien aimé j'ai lu le livre en l'envers parce que je l'avais déjà lu des fois. Donc j'ai bien aimé la partie où le chapitre où tu parles de rendre les citoyens heureux. Je pense que c'est dans le début, les tout premiers. Oui. Le premier, rendre les citoyens heureux. Je pense que là, tu humanises un peu le travailleur africain. Et oh, j'ai bien aimé aussi les petites astuces que tu as données, ton approche du monde, en tout cas. J'ai aimé. Ensuite, tu as parlé de leadership. Leadership aussi, Oui. ouais. Tu as balayé le sujet de fond en comble. Tu dis être humain d'abord. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que c'est tout ça, c'est être humain. L'employé heureux, le leadership. Ensuite, tu parles aussi du cas des écas. Pourquoi c'est important pour toi de l'humain, de mettre l'humain au centre, en fait? Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, elle est créée autour de trois éléments. L'entreprise est créée premièrement autour de l'humain, deuxièmement autour du produit et troisièmement autour du client. D'accord. Donc le profit, il vient après. D'accord. Le profit, c'est la conséquence du fait qu'on a un cadre de travail qui fonctionne. Donc c'est malheureux de savoir qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on ne prenne pas en compte vraiment le besoin du travailleur. C'est pas, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans les sociétés aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va demander aux travailleurs de ambientar, si. Ça veut dire quoi? De comment De dire, genre, on leur donne pas les conditions, on leur demande de très s'adapter. bien, très bien. On demande aux travailleurs de s'adapter au travail, Ouais. s'adapter au lieu de travail, alors que c'est le lieu de travail qui doit être fait pour Pour le travailleur. Il doit être conçu en fonction du travailleur. Et quand je demande de mettre l'humain d'abord, c'est pour dire que c'est pas nouveau, c'est courant dans les entreprises en Afrique de voir que le boss pense d'abord à combien il gagne avant de penser à ses salariés. Ouais. Quelquefois, il va penser à sa Prado qu'il va acheter avant de penser même qu'il faut payer les salariés. Donc, il y Ouais. a pas mal d'exemples comme ça qu'on voit revenir. Ouais. Ça se Ils voit, c'est courant au Cameroun. Ouais. Même plutôt que de se dire je pense à mon bénéfice, ils ne pensent pas forcément à la rétention de talent, tu vois. Même si je Très pense à bien, mon très bénéfice, je bien. me dis en fait, mais il faut que je fasse des choses pour qu'ils continuent de travailler, même si je sais pas, c'est dans n'importe quelle condition, mais j'ai envie de dire. Pensez à la rétention aussi de talents. Et pourquoi le cas des ECA, en fait? Enfin, c'est un peu triste, mais pourquoi? Alors, le cas des ECA, je l'ai pris pour montrer en fait, c'est assez triste de parler de ça quand je parle en effet avec beaucoup d'émotion. Ça prouvait simplement que on a un leadership ou alors on a un management qui n'est pas correct dans certaines situations. Attention, il faudrait pas qu'on pense que la fixation elle est faite sur les pays africains. Non, je parle principalement de l'Afrique parce que je suis africain. Donc le Ouais. cas des ECA, on peut le retrouver en France, comme on peut le retrouver aux États-Unis. Mais moi, je préfère prendre ce cas-là comme et en faire un cas d'école. C'est pour Oui. dire quoi? Quand j'essaye de recouper l'information, je vois en effet que à un certain moment, on va dire que le ministre a donné son autorisation parce que on a une locomotive qui peut tirer, par exemple, 8 wagons et qui se voit en train de tirer 14, 15 wagons. Ça, Ouais. c'est pas juste possible Ah oui, parce je qu'elle vais n'a pas pas cette capacité-là. Ouais, je vais pas revenir sur l'histoire, mais plus sur le management en Afrique. Toi, Très bien, en aujourd'hui, fait, c'est pour illustrer, c'est pour illustrer. ouais, je te vois. Et en effet, ça, c'est déjà un problème technique. Donc, on voit déjà que
de manière technique, il y aurait pu avoir un responsable technique qui aurait dit non, c'est pas possible que la locomotive y va. Vu également la qualité du trafic, vu également la qualité des rails et autres, il aurait fallu en effet qu'il y ait un responsable qui s'oppose à cette décision-là. Mais parce que la décision venait soit d'un ministre, soit du directeur de la Camarille, je ne sais pas trop, on voit très bien qu'il y a une grosse erreur de management. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les marchandises qu'on transporte, c'est des êtres humains. Et même s'il y a eu un problème sur la route, on ne va pas en effet mettre, risquer, disons, la vie des êtres humains assez facilement comme ça. Et je dis qu'il y a faute de management, pourquoi? Parce que par la suite, qu'est-ce qu'on a aperçu? Qu'il y avait un ping-pong entre le ministre des Transports, le directeur de la Camarille et les autres. Donc c'était non, c'est pas moi, oui, c'est moi, non, c'est pas moi, oui, c'est moi. Et à la fin, ce sont des vies humaines qui partent aussi simplement que ça. Et il n'y a même pas d'interrogation qui est faite. Je ne pense même pas que jusqu'aujourd'hui, on a tiré vraiment les leçons de cette tragédie qui s'est produite au Cameroun. Bon, moi, j'ai mentionné cet exemple parce que j'ai bien aimé le premier, deuxième, troisième chapitre jusqu'au quatrième. Bon, je me suis attardée sur les écarts parce que c'est... Enfin, ma voix se casse parce que les écarts, c'était quand même lourd. Je m'attarde dessus parce que c'est l'un des exemples que tu as appris qui concernait le Cameroun, tout simplement. Oui. Et ce qui m'a manqué justement dans... Enfin, l'humain d'abord, tu n'aurais pas... Je sais pas... Tu n'aurais pas pu mal parler des entreprises plus que ça. Ouais, bon, ouais. J'aurais Après, aimé. j'ai pas mal parlé. Attention, c'est un Oui, constat. je ne dis pas mal parler, je dis justement, tu ne pouvais pas. Tu n'allais pas écrire ton livre en disant tous les défis et comment si ça ne va pas. Mais tu as plutôt pointé du doigt, d'une manière plutôt internationale, les Oui. défis que le Cameroun ou que l'Afrique peut rencontrer sur la scène économique, sur la scène Exactement, oui. technologique. Ouais. Moi, j'aurais aimé avoir certains exemples ou avoir d'autres entreprises camerounaises citées. Par exemple, ouais, ça c'est moi. Ça c'est D'autres mon. entreprises de citer, c'est-à-dire de manière positive ou alors de manière négative ou alors. Non, enfin, juste citer, peut-être dans les Ah, très commentaires. bien, élaborer. Alors, ce C'est qui se ça, passe, c'est quoi? parce C'est que. que Attends. je comprends. Oui, Parce que vas-y. mon livre, il est très riche, tu vois. Il faut vraiment être. Enfin, d'une part. Tu n'as pas besoin d'être cultivé pour le lire, ça c'est pour tout le monde. Et d'autre part, quand tu lis et que tu es cultivé, bon, je dis ça juste pour pousser le bouchon loin, c'est-à-dire que j'aurais aimé que tu me parles de, je sais pas, Kiferou et tout, que ce soit un peu plus On est terre-à-terre, d'accord. On est vraiment d'accord. un livre pour, genre, pour que tu sois au courant des choses. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien, pour que tu sois au courant des choses, que tu saches la concurrence, par exemple, déloyale, que tu saches... Un peu où l'Afrique ou l'Afrique surtout. Peut-être qu'il faut que tu fasses un livre sur le Cameroun, c'est ça que je veux dire. Oui, alors ça, c'est une très, très belle remarque. Pourquoi? Parce que l'un des professeurs à qui j'ai envoyé le livre au Cameroun me l'a dit. Il m'a dit, le livre, il est bien, mais la critique que je ferais, c'est que tu me prendrais deux chapitres et on ferait de ces chapitres-là des livres. C'est-à-dire, il me dit, sur Merci. l'humain, tu fais un livre. Sur Oui, mais la c'est pollution, tu me tellement. fais un livre. Mais Non, mais c'est j'ai tellement. pas, j'ai, malheureusement, j'ai pas tout ce temps pour. Non, mais je Mais c'est dis, vrai, je c'est comprends très bien. tellement riche parce que regarde les sujets, les titres, intelligence économique, mais ça, c'est. Ouh, mais ça, c'est. Je sais pas. C'est un tome, c'est un deuxième tome, un troisième tome. Ensuite, enfin, oui, je te dis ce que j'ai lu. Après, Oui. bon, tribalisme aussi. Et la compétence par le critère de tribalisme comme critère de sélection. Ça, c'est un autre livre à développer. Et moi, j'aurais parlé du cas précis. J'aurais parlé du cas précis du Cameroun. Ouais. Par Alors, exemple. disons qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets qu'on peut en effet traiter. C'est juste que moi, l'idée, c'était vraiment de balancer quelques sujets Pas quelques, c'est beaucoup. Tu as mis. Bam! Tu lis ça. Tu te dis, bon, ok, c'est bon, arrête. Non, ça finit pas, ainsi de suite. J'ai beaucoup aimé la partie où tu as abordé le management en Afrique. Je vais pas rentrer dans les détails parce que, enfin, allez vous procurer le livre. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre pendant qu'on y est? Alors, le livre, soit vous m'écrivez sur mes réseaux sociaux, soit vous le prenez sur Amazon. D'accord. Alors, Donc, c'est si vous m'écrivez, vous l'avez en dédicacé, si vous le prenez sur Amazon, c'est Amazon qui se charge de vous l'envoyer.
D'accord. Maintenant, précisément à la page 109, tu me parles d'entreprise libérée. Tu vois, quand Oui. je me dis entreprise libérée, moi je m'attendais à, je ne sais pas, à une architecture plutôt agile. Tu sais qu'en Afrique, c'est plus hiérarchique, le directeur, nanani, nanana. Bon, tu c'est un essai. Bon, tu n'allais pas non plus écrire en profondeur sur tout. Mais oui, l'entreprise libérée, je m'attendais à une touche un peu d'agilité, peut-être parce que je te connais maintenant, je sais que voilà, tu es coach agile, que je m'attendais à ça, mais je pense que ouais, vas-y. En 2020, ça va. J'ai beaucoup aimé aussi le chapitre sur l'intelligence économique, franchement. Je pense que c'est quelque chose que... c'est quelque chose... Attends, une minute, je vais épingler le titre du live sur Instagram. D'accord. Oui. Tu es choquée, hein, comment je l'ai lu ton livre, hein? Vraiment? Vraiment. Je me dis, ça c'est intéressant. Après, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont lu, qui m'ont fait de retours. Il y a des personnes qui m'ont fait des retours ultra positifs, d'autres ultra négatifs. En Ouais. effet, c'est un essai. Donc, pour moi, le but du jeu, ce n'était pas de plaire à tout le monde, c'était de Ah proposer non, des idées, en c'est effet. Et puis, bah, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs. C'est-à-dire vraiment, les gens m'ont dit qu'ils ne savaient pas que dans ma tête, il y avait beaucoup de choses comme ça. Ah, mais je me suis dit, mais ouh, il est cultivé, j'ai beaucoup aimé. Non, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, par exemple, là, moi, quand je lis le livre à l'envers, là, je te dis ce que j'ai aimé. Je te dis à peu près que j'aurais aimé un peu d'agilité, mais c'est parce que je te connais aujourd'hui. Oui. J'ai aimé l'intelligence économique, les success stories, tu vois. J'aurais aimé avoir les success stories, tu vois, success stories du Cameroun, parce que je sais qu'il y a bien une entreprise qui se démarque, c'est l'histoire de Tanti. Ils vendent les sachets Oui, de voilà. exactement, exactement, oui, c'est vrai. Oui. Alors après, quand on voit le titre n'avait pas pour but de présenter les success stories. Le titre avait pour but de présenter les défis en effet auxquels on va faire face. C'est vrai qu'en termes de leadership, j'aurais, bon, peut-être pas leadership, mais en termes de même pas Attends, bon management. d'intelligence économique, tu vois, Oui. d'intelligence économique, c'était très intéressant le chapitre sur l'intelligence économique. J'ai Oui. beaucoup aimé, tu vois, et je pense que dans le contexte africain, enfin pour dire, on va pas parler de Dangote, tu vois, mais un exemple camerounais, bon, je vais toujours revenir au Cameroun, hein, c'est comme ça. Bon, le livre n'était pas simplement seulement pour les Camerounais. Hein. Il est ouvert à l'Afrique. Ouais, Mais voilà. je comprends la préférence. Alors, disons que l'idée, principalement, c'était de montrer, c'était de faire une comparaison. Okay? Parce que nous sommes issus de la diaspora et l'un des éléments que nous pouvons apporter à notre continent, notre cher et beau continent, c'est ce que nous prenons de positif dans la diaspora. C'est-à-dire, si je suis en contact d'une certaine civilisation, d'une certaine culture, je peux Oui. prendre des éléments qui sont importants ou alors qui sont nécessaires pour mon continent et les mettre à disposition, en effet, des entreprises, des entrepreneurs, des populations et autres. Donc, pour moi, l'idée, vraiment, c'était ça. Après, célébrer les success stories camerounaises ou africaines, je pense qu'il y a pas mal de livres qui le font. Il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de présentations Oh. qui le font. Bon, peut-être que... Après, c'est vrai que je pouvais toujours les mentionner, hein, donc peut-être pas dans ce livre, peut-être dans un prochain livre. L'idée, c'est d'écrire peut-être une centaine de livres. Donc, peut-être il y D'accord. aura un livre où on va célébrer en effet les success stories. Ok. Je pense que les gens, ils sont habitués à ce que le live soit hyper structuré. Donc, excusez-moi. Je vais reprendre les choses en main. Donc, on va restructurer tout ça. C'est un sujet qui m'intéresse. Et je suis, j'avoue, un peu distraite par Instagram. Alors, comme je disais, je vais continuer ma critique, hein, parce que, ouais, il faut le faire. Alors, dans le livre, les 181e page, c'est énormément de définitions et de présentations de concepts. Est-ce que c'était Oui, voulu? c'est voulu. D'accord. C'est voulu pourquoi? Parce que dans ce chapitre-là, je parle de transfert de technologie. Oui. OK? Transfert de technologie, c'est quelque chose qui est très important pour l'Afrique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ça qui peut nous permettre de faire le saut quantique et essayer en quelque sorte de rattraper un peu le gap qu'on a vis-à-vis des autres puissances. Donc, et en présentant le transfert de technologie, moi ce que je me suis dit, c'est en effet qu'il ne fallait pas simplement que j'aborde sous un angle, mais qu'il fallait que je l'aborde sous plusieurs angles.
Et il fallait en effet prendre les définitions données par plusieurs experts pour montrer qu'est-ce que c'est que le transfert de technologie. Parce que transmettre la technologie, ce n'est pas que les usines, ce n'est pas que les industries, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la culture, c'est pas mal de choses qu'il faut transférer. Et je me suis dit, pour ne pas rester cloisonné en effet dans un secteur, dans un couloir, il fallait en effet que je présente plusieurs définitions dans laquelle chacun, en fonction de son courant, pouvait facilement se retrouver. Et j'ai pris en effet quelques-unes des définitions que j'ai mises en avant. D'accord. Non, c'était hyper bien vulgarisé. Bon, quand tu lis au début, il y a des définitions. Bon, quand tu lis jusqu'à la fin, moi, comment je lis le livre? Je lis au début, ensuite je vais à la fin. Je sais pas pourquoi je fais toujours ça. Même à l'école, je faisais ça. Et enfin, quand j'arrive à la fin, tu comprends pourquoi il y a besoin de définir des choses au début. Alors, lequel donc des défis africains t'inspire le plus? Alors, le défi qui m'inspire le plus aujourd'hui, je veux dire, c'est celui de l'humain, c'est celui du leadership et du management. C'est ça qui m'inspire le plus. Parce que vous savez, alors tu sais, vous savez avec les personnes qui nous suivent, Oui. il faut savoir que une société repose sur ses hommes. La plupart des experts aujourd'hui le disaient, le développement de l'Europe, de la Chine, du Japon nous montre en effet qu'il faut d'abord miser sur les hommes. On ne peut pas miser sur les machines, on ne peut pas miser sur les outils, sur le numérique, non. Même s'il faut transférer la connaissance, on va transférer la connaissance à qui? Aux personnes. Si les personnes ne sont pas formées, si les personnes ne sont pas éduquées, si les personnes ne sont pas nourries, elles ne sont pas soignées, s'il n'y a pas un vrai leadership, ça ne servira à rien. On aura beau faire le transfert, mais ça ne servira à rien. Donc pour moi, c'est la qualité du management que devraient avoir les politiques africaines, que devraient avoir les chefs d'entreprise africains. C'est la qualité du leadership également qu'on devrait retrouver dans les entreprises. Est-ce qu'on a des valeurs qui sont partagées entre les personnes? Est-ce que les entreprises ont les piliers? Ça me fait également revenir à ce qu'on a évoqué la dernière fois, au why. Il faudra en effet connecter les personnes dans les entreprises au pourquoi elles arrivent à travailler. Il faudrait que le détenteur de l'entreprise, même lui-même défini, puisse définir, je voulais dire, pourquoi il a créé l'entreprise. Pas simplement pour le gain, mais pour qu'il y ait, je vais dire quoi, pour qu'il y ait une certaine. Un certain réveil pour qu'il y ait un certain bien, je vais dire quoi, bienveillance, mais pas bienveillance, je vais dire, mais pour que les personnes qui y travaillent puissent être à leur aise. Okay? Ouais, Et la moi je pense conséquence que sera en effet l'argent. oui, je pense que tu peux dire éveil, hein, parce que tu peux dire éveil parce qu'on est à l'heure, enfin un peu plus aux États-Unis avant maintenant, on était à l'éveil des consciences en quoi 2010, dans les années 80, tu peux dire éveil des consciences parce que moi aussi je suis convaincue qu'en fait tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on peut pas blâmer la politique parce que on ne peut pas toujours pointer du doigt, voilà, je sais pas, le mauvais élève, mais tous les problèmes que nous avons, c'est à cause de toi, moi, à notre niveau, qu'est-ce que chacun peut faire? Donc, côté Alors, management. avant de répondre à cette question, je vais prendre un exemple très simple, un exemple qui me parle beaucoup. L'exemple, c'est celui du PDG de Accor Hôtel, Sébastien Bazin. Sébastien Bazin, c'est de par les retours que j'ai sur lui, de par des retours que vous trouvez également un peu de partout. Et je me suis amusé même quelquefois à aller dans des hôtels, à poser des questions pour voir si en effet on ne faisait pas du storytelling sur lui. Et j'ai vu que c'était vrai. Parce qu'à travers les formations que j'anime, je voyage un peu de partout, je fais même pas mal d'hôtels et tout, et j'arrive quand même à rencontrer des personnes, échanger avec eux. Et lui, en 2000, je pense en 2013, quand il a pris le groupe Accor Hôtel, quand il a pris en effet la direction du groupe, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il devait centrer son leadership et son management sur les collaborateurs. Et quand on parle de collaborateurs, vu que lui, il est le PDG d'un très grand groupe, il n'a pas centré sur ses collaborateurs directs. Mais il a centré sur les personnes qui sont en bas de l'échelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour du monde. Il est allé à la rencontre des personnes qui travaillent pour le groupe Accor.
Il rencontrait des bagagistes, il rencontrait des cuisiniers, il rencontrait des dames de ménage, des femmes de chambre et tout. Il échangeait avec elles pour savoir quelles étaient les difficultés qu'elles rencontraient et quel était le réel besoin qu'avaient les clients. Ouais. Et à la fin, il est arrivé à trouver en effet des solutions qui lui permettent aujourd'hui d'être l'un des plus grands groupes hôteliers du monde, de Ouais. multiplier le chiffre d'affaires, de multiplier également les chambres, le Oui. nombre de chambres qu'ils avaient aujourd'hui. Et il a créé en effet un comité de direction dans lequel on a les personnes qui sont en bas de l'échelle. Donc D'accord. son management a été centré sur les personnes, pas simplement sur je veux faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Non. Je m'en vais rencontrer les personnes, j'essaye de dire quels sont les problèmes que vous rencontrez. Et derrière, j'essaye de traiter ces problèmes-là parce que je sais que si la dame de chambre qui me dit oui, j'ai 1 jour de repos par mois, j'ai le dos qui est cassé, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Si j'essaie d'arranger ces conditions, elle fera son travail avec beaucoup plus de plaisir. Et derrière, la conséquence, c'est qu'on va multiplier le chiffre d'affaires. Attention, ce n'est pas pour dire que, on va améliorer la santé des personnes pour qu'ils puissent devenir des esclaves. Non, c'est pour simplement dire que généralement, quand les personnes sont contentes de faire ce qu'elles font, elles font avec passion. Et la conséquence, c'est la rentabilité. Ouais. Maintenant, pour revenir à ta question, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau? Oui. Alors, chacun peut apporter sa contribution. Ma contribution première, la voilà. La seconde contribution, c'est en effet que j'avais commencé à faire des vidéos que j'ai arrêtées. Je pense que je vais reprendre d'ici le mois prochain. Je faisais des vidéos sur ma page Facebook, où j'appelais des experts en management, en leadership et autres. Et on échangeait en effet sur la qualité du leadership qu'ils avaient dans leurs entreprises, pour D'accord. permettre en effet aux collaborateurs de s'améliorer au quotidien. Donc moi, à ma petite échelle, c'est la contribution que je puisse faire aujourd'hui. Et apporter également des formations, des coachings, des accompagnements aux personnes et aux entreprises également qui en ont besoin. Ça, c'est ce que je peux faire à mon niveau. Et les autres également, à leur niveau, ils peuvent faire pas mal de choses. Il y en a qui peuvent écrire des livres, il y en a qui peuvent faire des blogs, il y en a qui peuvent faire des vidéos, il y en a qui peuvent mettre en place des solutions. Ouais, comme Actuellement, une ouais. exactement. Il y en a qui peuvent également mettre des solutions digitales. Il y a Easy Training, il y a YouLearn, il y a pas mal d'entreprises qui se créent, en effet, pour apporter leur contribution à la construction. Toutes les personnes sont importantes. Vraiment, toutes les contributions également sont importantes. Chacun à son Oui. niveau doit pouvoir apporter ce qu'il peut pour permettre aux autres de profiter. Attention, ce n'est pas pour dire également que parce qu'on est de la diaspora, on est meilleur. Non. C'est pour dire qu'on peut apporter notre vision et on va la croiser à celle qu'on a sur le continent pour en faire quelque chose de plutôt pas mal. D'accord, je voulais justement revenir dessus parce que là, tu parles beaucoup de cas pratiques, tu me parles de plateformes de formation, tu me parles de vidéos, mais ce n'est pas des exemples concrets en Afrique. Moi, je veux un exemple concret. Comment est-ce que ce que tu as appris ici, par exemple, peut s'appliquer en Afrique, le fait de mettre l'utilisateur, pas l'utilisateur, l'humain au centre de la valeur de l'entreprise ou d'un produit ou d'un projet même. Comment est-ce qu'en Afrique, par exemple, donne-moi un exemple, donne-moi un exemple, parce que le PDG, je ne sais pas, de Kamwata, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Très bien, ok. Exemple pratico-pratique. Aujourd'hui, j'ai été abordé, pas aujourd'hui, mais j'ai été abordé cet an par un formateur, par l'intermédiaire d'un de mes tontons qui a en effet lu le livre et qui m'a dit, mais ce que tu dis, ça pourrait être très intéressant pour nous, les chefs d'entreprise au Cameroun. Et il faudrait que tu présentes ton livre, par exemple, au JICAM. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et derrière, j'ai envoyé le livre. Ce qu'on m'a demandé de faire, c'était de mettre en place des mini-formations pratiques. Parce que beaucoup de PDG en Afrique n'ont pas le temps de lire. C'est-à-dire, je vais donner le livre à dire merci mon fils, merci Je beaucoup. C'est bien ça mon fils. Et après, il va pas lire. Mais ils m'ont demandé de mettre en place des formations vraiment pratiques qui permettraient en effet à ces personnes-là de pouvoir profiter pleinement des enseignements qu'il y a dans le livre. Aujourd'hui, ce que je vais commencer à faire, c'est de transformer les idées que j'ai en ateliers pratiques.
qu'on va mettre en place dans les entreprises. Donc, si je parle par exemple de l'entreprise libérée, c'est l'entreprise où il faudrait qu'il y ait un why, il faudrait qu'il y ait des valeurs partagées, il faudrait que les incitations, les objectifs et autres sont partagés. Donc, moi, derrière, ce que je vais mettre en place, c'est des ateliers qui permettront en effet aux entreprises de définir leur raison d'être. Des ateliers qui leur permettraient de définir des valeurs et ensuite de les partager avec les autres collaborateurs. C'est Donc, de ça. manière pratique, ça, c'est ce qu'on peut apporter aux entreprises. Pour ne pas simplement faire des vidéos d'évangélisation, mais derrière, apporter également des ateliers pratiques. Oui. À présent, je n'ai pas encore fait, je ne me suis pas encore déplacé pour aller dans un pays africain pour le faire, mais je pense que d'ici quelques temps, ça sera en effet effectif. Oui, je pense qu'on a cruellement besoin, sans déconstruire le live pour toi, Christy. Comme je disais tantôt, moi, je n'étais pas spécialement une personne qui était portée vers la personne. Moi, je suis quelqu'un de très stratégique, très méthodique, et du coup, j'ai un bagage théorique comme ça. Mais en fait, à travailler avec des gens, même dans une entreprise ou tout simplement en tant qu'auto-entrepreneur, je me rendais compte que le plus dur, c'était de travailler avec les personnes. C'était de Oui. pouvoir être avec les personnes, c'est-à-dire, par exemple, comment choisir une personne pour collaborer avec celle-ci, parce que tu as besoin de sentir les personnes, tu as besoin de Oui. savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez la même vision, le même why, le même but dans la vie, en fait, parce que sinon, tout le monde se met avec tout le monde et on n'arrive pas du tout. Donc, je suis vraiment, moi, je t'encourage au moins dans ce sens de oser briller, comme je le dis souvent sur Instagram. C'est une formation Instagram que je prépare, mais bon, j'en parle ici parce que voilà, c'est le moment. Donc, je t'encourage vraiment à oser briller, prendre la parole. Tu vas briller et irradier d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Ça, Exactement. c'était le moment, petite motivation. Et du coup, il y a quelqu'un qui a demandé ici sur Insta, c'est quoi le transfert de technologie? C'était une question. Alors, c'est quoi le transfert de technologie? Dit de manière triviale, c'est prendre les trains de la SNCF et les envoyer à la Camaraï. Point final. C'est pour rigoler. Bien évidemment, c'est pour rigoler. Alors, disons, le transfert de technologie rentre dans tout ce qui serait transfert de connaissances. Donc, on sait aujourd'hui que, je vais prendre des exemples vraiment terre à terre. À Tokombéré, là-bas, on a des enfants qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de, quelquefois, de salle de classe, qui n'ont vraiment pas le moyen d'avoir accès à l'éducation. Mais aujourd'hui, en Europe, on sait qu'à travers le numérique, on peut avoir des plateformes de formation en ligne, on a du YouTube, on a pas mal Open Classroom, on a pas mal de sites internet qui proposent des formations parfois gratuites. À côté de ça, on a également la technologie du panneau solaire. Ça veut dire qu'à travers un panneau solaire et à travers des petites tablettes, nos petits-enfants là-bas peuvent déjà avoir accès à un brin de connaissances. D'accord, Donc le ouais. transfert de technologie, ça peut être ça de manière vraiment terre à terre. Maintenant, s'il faut parler de manière industrielle, il y a pas mal de choses qui peuvent Il y a être beaucoup faites. d'exemples, Et oui. dans le livre, je propose plusieurs moyens de transfert de technologie. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y a les franchises qui sont un moyen de transférer la technologie. Si aujourd'hui vous allez voir Louis Vuitton, vous dites que vous voulez être une franchise Louis Vuitton en Afrique, il y a un transfert de technologie. Pourquoi? Parce que vos collaborateurs seront formés par les experts de Louis Vuitton. Votre boutique sera construite par les experts de Louis Vuitton. Donc, vos Système personnes seront de exactement seront en contact avec l'expertise qu'il y a ici. Donc, il y a plusieurs moyens de faire le transfert de technologie. Donc ça, c'est coup, quelques petits exemples. Et dans le livre, j'élabore un peu plus. oui, je te coupe parce qu'on est à 40 minutes déjà. Du coup, comment Ah est-ce que ouais? le numérique, oui, on se rend pas compte, c'est on se rend pas compte. Comment est-ce que le numérique peut changer justement la vie de notre continent? Comment le numérique peut changer la vie de notre continent? Première chose, allez tous acheter les formations à Easy Training. Vous allez changer la vie du continent. Non, je rigole une fois de plus. Alors, Non, disons je que... rigole pas. Allez acheter les formations, allez acheter le livre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé le titre du livre, donc je mets ici pour que tu vois. Je sais qu'elle regarde le live en même temps. Voilà le titre du livre. Allez acheter le livre. Cultivez-vous. C'est pas pour rigoler. C'est pas pour Alors, rigoler. disons que le numérique peut changer la vie du continent de plusieurs manières, de mille et une manières, dans tous les secteurs. C'est-à-dire, vous me donnez un secteur, je vous dis comment le numérique peut le transformer. D'accord. Et alors, je finis mon développement. Il y a toujours des élèves comme ça. Alors, je te donne un, oui. Alors, disons que on a vu que le numérique a transformé le monde.
Pourquoi? Parce que dans les entreprises, dans les années 90, c'était les entreprises industrielles qui tenaient le monde. Total, Toyota, Ford et autres. Mais à travers le numérique, il y a eu un changement de polarisation. Aujourd'hui, c'est les GAFA qui tiennent le monde, Google, Facebook, Amazon et autres. Et on voit, en effet, si on veut comparer le chiffre d'affaires ou même les revenus qui sont faits par Google, Facebook, Amazon, Microsoft, on va voir que c'est supérieur parfois au PIB de plusieurs pays africains ou bien même de plusieurs pays européens. Et c'est parfois 10 fois, 100 fois supérieur à ce qu'on va retrouver dans le CAC 40 français, donc dans les meilleures entreprises françaises regroupées. Hein. Donc c'est pour dire que si les États-Unis, la Chine également, à travers Alibaba, à travers tous ces autres, je pense, les battus, les géants chinois, à travers tous ces grands-là, ces pays-là ont pu se relever. Ça veut dire que nous également, en tant qu'Africains, on peut apporter notre touche. Il y a des solutions africaines qui aujourd'hui, moi, me font extrêmement plaisir. Il y a la plateforme YouLearn de formation. Il y a la plateforme Medic Afrique qui permet en effet aux gens de la diaspora de payer les consultations pour leurs frères, familiers et autres qui sont en Afrique. Il y a la Surtout, plateforme, il y a la oui, plateforme aussi Losto. Donc, Losto, c'est une Losto, très plateforme qui bien, permet de exactement. prendre rendez-vous au Cameroun sans patienter dans les files d'attente et de Exactement. savoir en avance les frais des soins. Et ça Oui. permet, voilà, justement de sauver des vies. Il y a aussi la plateforme TapTapSend que j'ai découvert dernièrement. Je te laisse continuer. Exactement. Bref, disons qu'il y a un millier de plateformes, il y a un millier de manières d'aider numériquement le continent. Si on s'aperçoit qu'il y a des personnes dans nos villages qui ne parviennent pas à avoir accès aux soins de qualité, un d'entre nous peut mettre en place une plateforme qui permettra de relier les patients de ces villages-là à travers leur smartphone avec les experts ici en Europe, cardiologues et autres. Je pense que Arthur Zan, très bien, voilà, Arthur Zan L'osto. également l'a fait avec son cardiopathe et tout. Il a fait le Donc, quart de pâte. le Mais numérique je peut parle de aider, oui. l'osto. Je parle de l'osto parce que c'est une solution qui te permet de prendre rendez-vous. Et comment dire, c'est pas un cardiopathe, c'est une application mobile. Et enfin, si la maman, elle n'a pas l'application, elle n'a pas de téléphone, peut-être la fille, je sais pas, le voisin d'en face aura. Donc, comme tu dis, le transfert de technologie, c'est vraiment de prendre là-bas et de contextualiser ici. Très bien, oui. Alors je pense que l'hosto, ils doivent te payer. Peut-être tu es actionnaire là-bas pour la qualité de la publicité. Non, Merci. je suis pas actionnaire là-bas. C'est juste que moi, il faut savoir que moi, je teste énormément de produits de Black Owner, que ce soit Oui, mais c'est cosmétique, bien, c'est que ce bien. soit technologie, que ce soit des livres. Je teste tout et il faut savoir, je donne aussi mon avis. Donc, quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Exactement, Par exactement. exemple, Donc, TapTapSend, j'ai en testé. effet. Oui, en effet, il y a plusieurs moyens. Si je veux parler de ce que nous faisons chez nous à Easy Training, à travers notre plateforme, on forme les personnes à travers le monde. Donc, on forme en Afrique, on forme au Canada, on forme aux États-Unis, on forme en Europe, on forme partout. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, on forme partout. Donc, nous, à notre niveau, on a mis une plateforme en place sur laquelle vous allez trouver des sessions de formation e-learning. Et vous pourrez en effet vous former. Ça veut dire que nous, qui avons étudié ici, qui travaillons ici, qui sont en contact avec cette technologie, on va mettre en place des formations qui pourront aider les personnes sur le continent. Eux également, ils pourront, à travers notre biais, être en contact avec ce qui se fait ici. Les études de cas que nous faisons, les exemples et autres, ce sont des exemples d'entreprises d'ici. Donc, eux également, ils pourront voir ce qui se fait ici et adapter selon leur contexte. Ça, c'est un autre niveau. Et à chacun des niveaux, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, dans la médecine, dans l'éducation, à tous les niveaux, le numérique peut apporter, en effet, Ça touche, peut apporter sa touche. par En exemple. effet, pour terminer, aujourd'hui, il faut savoir que toutes les entreprises sont des entreprises technologiques. Il n'y a plus une entreprise qui n'est pas technologique. Tesla, à la base, on va dire que c'est de la mécanique, mais non, c'est la technologie, c'est le IT, c'est plus le IT. Puisque si vous avez une voiture que vous pouvez déverrouiller, vous êtes en Afrique avec votre application, vous déverrouillez la voiture qui se trouve à Paris,
Ça, c'est plus le Haïti. Donc, on peut en effet aider le continent de plusieurs manières. C'est à nous de savoir, d'aller faire une petite étude de terrain, savoir quel est le besoin et ensuite apporter la solution appropriée. Par exemple, toi, tu as parlé des formations que vous offrez sur la plateforme Easy Training. Moi, j'invite vraiment tout le monde à se former. Franchement, on peut tout apprendre, même l'art oratoire, comment parler devant les gens. Ça s'apprend, personne n'est forcément parfait. Par Bah, exemple, pas moi, bien évidemment. comme je disais tantôt, par exemple, comme moi, j'aime bien contextualiser à l'Afrique, tu vois. Il y a la Ouais. plateforme Easy Training. Comment je fais pour acheter un cours? J'utilise TapTapSend. T'as vu? On n'a plus cette barrière qu'il faut avoir une carte Ouais. bleue, etc. Avec TapTapSend, tu peux acheter tes cours en ligne en étant au Cameroun, où moi je t'achète le cours étant ici et tu l'as directement en Côte d'Ivoire, au Cameroun, aux États, peu importe où tu te trouves en fait. Donc Il ne voilà. faudrait même plus qu'il y ait des barrières de cartes bancaires et autres. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, dans la diaspora, on a la possibilité de se constituer et derrière aller mettre en place des cartes bancaires. Je pense que j'ai vu un truc assez spécial en Italie et je pense même ici en France. La Poste a payé. La Revolut en France, ouais. Très bien, c'est des cartes bancaires assez basiques. C'est Oui, vrai mais qu'elles sont adossées sur des banques, mais moi, tout le j'aime monde peut pas les avoir sans toutefois l'idée. avoir Ouais. de Je n'aime tracas ou de pas difficultés. l'idée de la Revolut. Je préfère TapTapSend parce que, regarde, j'ai fait des transactions. C'est vraiment comme une blockchain, en fait. C'est crypté de bout en bout. C'est-à-dire qu'une fois que tu as envoyé, si tu as envoyé à la mauvaise personne, tu ne peux plus modifier. Et c'est ça, en fait, c'est ça, en fait, qu'on appelle blockchain. Ça veut dire il y a que toi et moi, il n'y a pas de banque au milieu. Enfin, je ne dis pas que la Revolut ou etc., elles ne sont pas bien, mais je dis vraiment que je veux pouvoir aider directement moi, ma grand-mère. Tu vois? Je Oui, veux alors, ma grand-mère. ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que, parce qu'il peut y avoir des experts bancaires qui nous écoutent, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que TapTapSend et toutes ces plateformes-là reposent également sur des banques. OK? Reposent sur des banques. C'est vrai que tu vas me dire que le transfert, il est instantané, mais c'est parce que derrière, il y a un système de contrôle qui a été déjà mis en place. Encore heureux que ce soit C'est sécurisé. pourquoi, oui, si, c'est sécurisé. C'est pourquoi ils vont te dire qu'à partir d'un certain montant, tu ne peux pas. C'est pas parce que c'est eux qui bloquent, mais c'est parce que derrière, les banques mettent du veto Oui, mais au sur moins, la quantité ils vont d'argent qu'on peut envoyer. sécuriser. Mais en effet, je Oui. recommande fortement d'utiliser ces plateformes-là. Tap, Mais je tap. dis que. Alors, Laetitia, merci pour la publicité de Là, TapTapSend et de c'est Losto. Ça fait plaisir. non, mais je peux En vous fait, parler ce que aussi je disais. de Cash Shop, hein. Il y a plusieurs produits comme ça africains. Je ne parle pas que seulement d'un. Je connais plein de start-upeurs comme ça qui font des produits très intéressants. Oui. Non, ça c'est clair. Après, je dis, on va pas simplement se limiter à Cash TapTapSend, à Western, à Shop. Money. Non, il faudrait également que, au niveau de la carte bancaire, qu'il y ait des gars de la diaspora. Je pense qu'il y a une entreprise La ivoirienne visa qui le de fait Wika Shop, aujourd'hui. je te dis. Wika Shop, il a fait Pourquoi pas? une vidéo et il a Exactement, pourquoi pas? une visa avec un smartphone qui va être Oui, utilisé. pourquoi pas? Tu vois? Oui, Donc, pourquoi pas, exactement, oui. c'est Il ça. faudrait plus qu'aujourd'hui, on ait des freins. C'est-à-dire, il faudrait plus qu'aujourd'hui, dans le continent, dit comme ça, c'est facile, hein, mais il faudrait en effet que chacun, en fonction de sa compétence, en fonction de son expertise, puisse apporter quelque chose au continent. Ouais. Et du coup, résumons un peu selon toi, maintenant qu'on a parcouru tout le livre, on a Pas tout parcouru le livre, quelques petits brins, parce que le livre, quelques c'est brins, beaucoup. parce qu'il fallait pas tout, il fallait pas tout dévoiler, quelques brins Oui. du livre. Quels sont selon toi donc les majeurs, pardon, ça c'est l'anglais, les majeurs problèmes des entrepreneurs africains? Je pense qu'on est là ici pour ça. Quels sont selon toi ces problèmes? Alors, premier problème, c'est la vision. Manque D'accord. de Qu'est-ce que vision. tu entends par vision? On entreprend tous pour de l'argent. On n'entreprend pas parce qu'on veut défendre une cause, parce qu'il y a d'ailleurs une raison d'être. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous a appris le storytelling. Chacun va dire, oui, ma grand-mère, elle était couchée. Après, je n'ai pas vu de médicaments. Je me suis dit, là, je vais créer un truc qui va soigner rapidement les gens. C'est vrai. Il y a le Ouais. petit storytelling qu'on nous apprend derrière. Mais il faudrait vraiment que ce soit adossé à une réelle vision, à un D'accord. réel besoin. OK? Donc, il faudrait plus qu'on entreprenne simplement pour dire je suis CEO ou alors je suis chef de projet pour impressionner, ou chef d'entreprise pour impressionner les gens. Mais il faudrait que derrière, il y ait un réel besoin qu'on va aller résoudre. Oui, et même quand on va Et. résoudre, je vais juste ajouter, et même quand on va résoudre un problème,
Moi, je reviens toujours au fait qu'on n'est pas des grosses entreprises. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Coco Chanel. Elle existe, tu Oui. vois. À son époque, elle n'était personne. Elle a existé et de par je sais pas, sa philosophie qu'elle a voulu transmettre au fil des années, aujourd'hui, c'est une légende, tu vois. C'est On n'est pas. pourquoi, oui, c'est pourquoi On je n'est parle. ni Coco Oui. Chanel, ni je ne sais qui d'autre, mais j'ai envie de dire, même si tu racontes ton storytelling parce que tu as besoin de remplir la case, essaye de toi-même transmettre cette valeur, en fait. Tu vois. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que, à la base, toutes ces entreprises-là, à part les personnes qui ont hérité, bref, si on rentre vraiment, à l'histoire des entreprises, à la base, il y a toujours un créateur. Et le créateur a parfois une certaine vision qui va être améliorée peut-être par les enfants ou bien par les autres collaborateurs qu'il aura. Mais il faudrait qu'il y ait une vision solide. Pourquoi? Parce que, c'est important. En effet, je recommande à ceux qui nous écoutent de lire, pardon, le livre de Simon Sinek, commencer par le pourquoi. Start with why. Pourquoi? Parce que le why, c'est ce qui ne vous fera jamais perdre espoir. Il y a des chiffres assez impressionnants. On dit que 80, je pense que c'est 95, 94% des entreprises n'atteignent jamais la deuxième année. Kevin, tu devrais Pourquoi? faire une conférence. Si tu l'organises, bien évidemment, je la ferai. Vous l'organisez. Alors, j'ai décidé en Alors, 2022 de tout crédibiliser, de tout rendre réel, en fait. Donc, oui, c'est noté. Donc, 94% des entreprises ne passent pas la deuxième année. Ça semble banal quand on dit aux gens d'avoir une réelle vision, mais c'est vraiment ça qui vous permettra de devoir, je vais dire quoi, de devoir tout le temps résister à l'adversité. Ça, c'est la première des choses. Donc, le premier problème, c'est un manque de vision. Le deuxième problème, c'est une incompréhension, une incohérence. Pourquoi? Parce que des gens se disent que pour lancer une entreprise, il me faut absolument avoir de l'argent. Mais quand on voit la plupart des créateurs d'entreprises, les successful, excusez mon anglais, ce n'est pas des gens qui ont forcément commencé avec de l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Hein. Attention, comprenons-nous très bien. L'argent est important pour lancer l'entreprise. Mais je dis, si vous pensez qu'il vous faut absolument de l'argent pour lancer votre boîte, alors vous faites un peu fausse route. Le troisième point, je vais dire que c'est le manque d'amélioration en continu et de formation. Quand on dit aux gens aujourd'hui, il faut vous former, ils vont se dire oui, parce que c'est quelque chose qui est à la mode. Non. Mais il faut comprendre que même les plus grands CEO du monde ont des coachs, ont des formateurs. C'est essentiel. Donc, si on n'est pas dans l'amélioration, pourquoi je dis? Parce que si vous êtes dans l'amélioration continue, si je crée mon entreprise, j'ai un blocus à gauche, pardon, parce que je suis dans l'amélioration continue, je pourrais voir s'il y a des portes qui s'ouvrent à droite. Mais si je suis focalisé sur mon idée, mon truc, c'est clair que ça va bloquer. Il y a pas mal d'entreprises, je pense que Samsung à la base ne faisait pas de l'électronique. Hein. Samsung à la base, si je ne me trompe pas, après c'est à vérifier, je pense qu'il faisait la poissonnerie, un truc comme ça. Bref, il n'était pas dans l'électronique, il était dans toute autre chose. Mais il faut vérifier, ce n'était pas ça leur prédilection. Donc, c'est vrai, ils avaient une vision à la base. Mais parce qu'ils étaient dans l'amélioration en continu, quand ils ont rencontré l'adversité, ils se sont réorientés. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit focus, on se dit, moi, c'est la formation, si la formation ne donne pas. Non, moi, à la base, je suis ingénieur mécanique, mais je ne fais pas de la mécanique aujourd'hui. Je fais toute autre chose. Donc, on doit avoir tout le temps cette perception. Donc, pour moi, ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est le manque d'objectifs et de valeurs. Quand je dis objectif, je veux dire d'objectifs précis. Pourquoi? Parce que les objectifs qu'on se donne, on va se dire, bon, il nous faut avoir 10 000 personnes d'ici la fin d'année. Désolé si je parle comme un bon Bambiné. Il nous faut avoir 10 000 personnes d'ici la fin d'année. Mais derrière, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de mise en application, il n'y a rien qui permettra en effet d'atteindre cet objectif. Et les objectifs ne sont ni clarifiés, ni partagés, rien. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des objectifs précis et que derrière, il y a une vraie stratégie qui permettra d'aller atteindre ces objectifs. Cinquième point, ou quatrième point, je ne sais pas, cinquième point, c'est le manque de valeur. On n'a pas de valeur. Quand on crée une entreprise, qu'est-ce qu'on partage avec les autres? Si on vous dit quelles sont vos valeurs, vous en tant qu'entrepreneur, on vous dit quelles sont vos valeurs, vous allez dire, je sais pas. Amusez-vous à poser cette question à plusieurs entrepreneurs. Tu dis, gars, mais c'est quoi tes valeurs? Il peine à répondre. Et comment il fait pour fédérer son équipe? Très bien. Comment il fait pour fédérer son équipe? On ne sait pas.
Donc, pour moi, il faut vraiment que, avant de penser à créer une entreprise, ou pendant que vous pensez à créer une entreprise, que vous pensez à ces différents points. Il y a beaucoup d'autres points. Tout comme il y a des entrepreneurs qui, à la base, vont te dire, moi, je m'en foutais de ces éléments, je suis allé sur le marché a bien répondu, et benvenga pour moi, ou bien bienheureux pour moi. Mais si on essaye d'aller de manière méthodique, on essaye déjà de se bâtir, de bâtir, d'avoir une vraie vision, d'avoir des objectifs qu'on va pouvoir partager avec les autres, parce que les objectifs ne sont pas secrets, il faut le savoir. C'est-à-dire, moi, avec mon frère ami, Diran, qui est en effet cofondateur de Easy Training, on a des objectifs clarifiés qu'on partage avec les autres. C'est pas secret. C'est-à-dire, on ne se dit pas, je suis le boss, mon objectif, c'est de faire 10 000 et je ne dis à personne. Les gars, c'est pas comme ça. C'est partagé. Tout le monde doit savoir qu'est-ce qui tourne, comment ça tourne, pourquoi ça tourne. C'est ce qui permet aux gens de donner le meilleur De du même. leur pour en effet. Exactement, c'est ça. Donc, il faudrait qu'on essaye de sortir de la culture du secret et qu'on essaye d'aller vers des valeurs. Et parlant de valeurs, qu'on aille vers la transparence, qu'on aille Collaboration. vers la collaboration, qu'on aille vers la communication. Bref, il y a pas mal d'éléments. Ça semble bête de le dire, mais de manière pratique, c'est ce qui manque. C'est compliqué, Il ouais. faudrait bien évidemment que les personnes puissent s'en rendre compte et le mettre en place. Je le dis pourquoi? Parce que je me suis amusé à échanger avec l'un de mes tontons qui a une très grosse entreprise de BTP au Cameroun. Et quand on échangeait autour d'un déjeuner, je lui ai dit, mais tonton, c'est quoi les valeurs là-bas dans ton entreprise? Il m'a dit, mais valeur, c'est pour faire quoi avec? Je lui ai dit, mais comment ça? Comment tu fais beaucoup d'argent comme ça? Tes salariés n'ont pas les... Il dit, mais ils vont faire quoi avec les valeurs? C'est quand je lui explique qu'il prend du recul, il me dit, oui, mais c'est vrai, ton truc-là, c'est vrai. Tu vas venir quand au pays? Je lui dis, je vais venir. Il dit, non, quand tu vas venir, il faudrait venir les rencontrer. Et en effet, on va définir un peu. Parce que vraiment, je vois que. Et je lui ai pris des cas de figure très simples. Je lui dis, ben, écoute, voilà l'ordinateur. Quand on parle des valeurs de Apple, voilà ce qu'on a. Quand on parle d'Orange, je dis, mais tu penses que Orange vient faire 300 milliards de francs CFA au Cameroun, pourquoi? C'est parce que quand ils arrivent, ils ont des objectifs qui sont clairs et qui sont partagés avec tout le monde. Ils ont des valeurs qui sont claires, qui sont partagées. Ils ont une vision qui est claire, qui est partagée. Ils ont un cadre de travail qu'ils vont mettre à la disposition. Quand je dis l'humain, d'abord, c'est également ça. C'est qu'ils vont mettre en place un cadre de travail. Donc, il y a pas mal de choses qu'ils vont mettre en place. Donc, quand on me dit, oui, c'était déjà une licorne, ils avaient déjà beaucoup d'argent, mais on a également nos papas en Afrique qui ont déjà beaucoup d'argent, hein, et qui pensent plutôt à acheter des Prado que de le mettre à disposition des collaborateurs et bâtir de vraies entreprises. Donc, pour moi, ce sont les freins là-bas. Et Oui. il y a également le manque de cohésion dans notre société. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier, mais c'est vrai. Il y a Oui. pas mal d'entreprises qui se retrouvent aujourd'hui en train de fermer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la bonne information. Donc, si on échange plus, si on partage plus, si on communique plus sur ce qu'on fait, sur les résultats qu'on a, sur les objectifs et autres, il y a des gens qui viendront comme des anges gardiens, en effet, nous propulser vers le haut. C'est ça. Moi, je parle souvent de système de valeurs. C'est qu'en Afrique, notre système de valeurs ne matche pas avec ce qu'on veut. C'est-à-dire, on veut l'argent, mais dans notre système de valeurs, il n'y a pas travailler jusqu'à tard. Il n'y a pas, je ne sais pas, avoir une tenue conforme, avoir des valeurs, au travail. Il n'y a pas la mission qui est définie, qui est claire. Il n'y a pas la transparence des artefacts, c'est-à-dire de, je ne sais pas, des rapports qu'on produit, ils sont pas publics. Et ça ne permet pas, ça ne permet même pas de booster les équipes. Donc, on n'a pas un système de valeurs aligné avec ce qu'on veut faire, tu vois. Et Exactement, oui. oui, moi, je suis sur ces deux choses-là. Le système de valeurs, il n'est pas aligné et on ne travaille pas avec les gens. On fait travailler les gens. On ne travaille pas avec les gens, on fait travailler les gens. Très bien, très très Et bien. moi aussi, par exemple, moi, je suis entrepreneur, je veux faire dans l'intelligence artificielle. Je veux faire dans ça juste l'idée, c'est-à-dire l'idée de faire dans l'intelligence artificielle, c'est génial, j'adore ça. Pourtant, moi, en fait, ma mission dans la vie, ma place dans ce monde, c'est être formateur, d'éduquer les autres, de motiver les autres. Mais comme j'ai entendu intelligence artificielle, ah, je veux monter ma boîte qui fait dans l'intelligence artificielle, tu vois. Comme tu as dit, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on veut faire et le pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Bon, j'écris les questions sur Insta. Vas-y. Un dernier point, un dernier, tout dernier point.
qui, pour moi, est un gros défi et un gros challenge pour les entrepreneurs, c'est la honte, c'est-à-dire sur le regard de l'autre. C'est très important. Je le dis pourquoi? Parce que je l'ai dit également la fois dernière. On a des personnes qui pourraient être de très grands stylistes, de très grandes coiffeuses, de très grands je sais pas quoi, mais parce qu'on a peur de ce que l'autre va dire, parce qu'on a peur du regard de l'autre, on va se retrouver en train de faire des choix qui ne sont pas forcément importants pour notre vie, C'est ça. ou alors qui ne sont pas en accord avec notre personne, ou alors avec ce qu'on aimerait devenir. Et on Ouais. va rentrer dans une espèce de tunnel où on n'en sortira plus jamais. Donc pour moi, être entrepreneur, c'est d'abord se dire, une fois que j'ai ma vision, je m'en fous. Ce n'est pas pour dire que je ne prends pas l'avis des autres, parce que si on dit également qu'on est dans l'amélioration en continu, on prend l'avis des autres. Mais quelque part, le regard de l'autre ne doit pas être un frein à mon évolution. Ouais, allez regarder Exactement. ma dernière vidéo sur la confiance en soi sur Instagram. Franchement, je pense qu'il a tout résumé. Et ouais, c'est ça en fait. Je pense que je dois parler aussi de chemin de vie parce que on a tous, c'est peut-être très spirituel pour vous, mais je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour pour l'autre et il veut une solution pour l'autre. Et quand on est rempli d'amour pour l'autre, on doit aussi savoir c'est quoi notre mission d'abord. Je vais pas juste faire intelligence artificielle parce que oui, ça le vend en poupe. Je me regarde, je me dis en fait, moi, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'intéresse? Si je suis portée vers les autres, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose pour les autres. Ça peut être humanitaire, ça peut être de l'éducation comme ça. Mais je me demande qu'est-ce que moi j'aime faire par-dessus tout. Peu importe que je sois une fille ou un garçon et que j'aime Bravo. cuisiner. J'ouvre mon restaurant, je cuisine. On s'en fout Très des bien. autres, en fait. Tant que Alors, je je suis pense que moi. pour appuyer en effet ce que tu es en train de dire, je pense que les chefs les plus étoilés en France, ce sont des hommes, ce ne sont pas forcément des femmes. Forcément, Donc, oui. si je suis un homme et j'aime faire la cuisine, je suis destiné pas à faire la cuisine. Je ne vais pas aller créer une entreprise de mécanique parce que je dois plaire aux gens. Non, je crée une entreprise qui fait dans la cuisine. Et derrière, parce que ça va devenir, parce que c'est ma passion, et parce que derrière, je vais mettre en place la stratégie qu'il faut, je vais viser l'étoile. Et demain, les personnes vont m'apprécier, on va dire, ah oui. Donc c'est ça. Pour Ouais. moi, il faudrait vraiment pas rester cloisonné parce qu'on a peur de l'autre, ou on a peur du Du regard. regard ou de la critique. Ou bien... Non. Ouais. La preuve en est qu'aujourd'hui, je pense qu'on dit qu'une révolution, quand elle arrive, elle est d'abord perçue comme bête, comme folle, comme idiote. Ensuite, elle est perçue comme OK, et Ouais. après, elle est appréciée. C'est ça. Il y en a plusieurs. Si on prend le vote des femmes, dans les années, on va dire le vote des femmes, non, elles ne peuvent pas voter, c'est bête, c'est idiot. Après, on s'est dit pourquoi pas, et aujourd'hui, on s'est dit oui. Donc, il y a pas mal d'inventions comme ça qui sont d'abord arrivées, on s'est dit, ah, mais c'est une grosse connerie, ça ne va jamais réussir. Et voilà. Et généralement, vous allez remarquer également quand vous proposez une idée ou vous émettez une idée auprès de vos amis, on va vous dire non, ça ne marche pas, ça c'est une connerie, ça c'est vraiment. Mais si vous êtes résilient, que vous allez tester cette idée-là, pardon, si ça marche, la personne qui vous a dit hier que c'était une connerie va vous dire que, gars, toi, tu es après. Il y a Dans notre proposé. pays, on dit après toi, c'est le ravin. C'est-à-dire Ouais. que. Vous dites simplement que tu es excellent. Donc, n'hésitez pas, hein, pour moi, n'hésitez pas à tester vos idées. Et comme je dis souvent, le seul juge et l'unique juge, c'est le marché. C'est le marché qui dit si l'idée, elle est bonne ou si elle est idiote. Il n'y a personne. C'est-à-dire, même si vous voyez Steve Jobs, vous lui dites, écoute, l'idée, si, il n'a pas la capacité de vous dire c'est bon ou c'est mauvais. Il pourra vous donner des éléments qui vous permettent d'améliorer ou bien qui vous permettent vraiment de... OK. Mais... Sinon, dans les entreprises qui accompagnent les entrepreneurs, on aurait les incubateurs. Sinon, dans les incubateurs, toutes les entreprises réussiraient. Pourquoi toutes les entreprises qu'on incube, parfois c'est une ou deux entreprises qui deviennent des licornes? Tout simplement parce que c'est le marché qui décide. C'est tout. C'est-à-dire, même ceux qui vous coachent, ils vont vous dire, alors, mettons cette stratégie, mais ils ne pourront pas vous dire, ce produit n'est pas bon, il est bon, il n'est pas bon, non. Alors, Oui. s'il y a eu un flop, peut-être par le passé, ils peuvent vous dire, ça c'est un cas d'étude, ça c'est un cas d'école, voici un flop. Mais Ouais. dans le cas contraire, c'est le marché qui décide. Donc, Je chaque m'en fois que vous voulez faire quelque chose, pensez au marché. Et là, je fais un coucou à mon ami Diran, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, parce que lui, il est focus marché. C'est-à-dire, si tu lui dis, ce que tu as fait, c'est la merde, le gars dit, attends,
Laisse-moi avec ma main dans ma main, je donne au marché. Si le marché la mange, ça veut dire qu'elle est à la fin bonne. Mais si le marché ne mange pas, en effet, c'était une merde. Donc pour Ouais. moi, c'est un mindset, en effet, qu'il faut avoir. Tout le temps, se dit, c'est le marché qui va décider de ma solution. Oui. En fait, pour ajouter, appuyer ce que tu dis, il y a le marché, mais regarde l'histoire de Steve Jobs. Quand il a créé le premier MacBook, c'était n'importe quoi. On lui dit, c'est quoi ce truc énorme? C'est bizarre et tout. Mais regarde aujourd'hui, Macintosh, oui. c'est des MacBooks qu'on utilise, c'est des Macs qu'on utilise partout. Il y a le marché et il y a your God, comme ils disent en anglais, your God. Et vraiment, ce qui te vient de l'intérieur, là, ta vision depuis, je ne sais pas, 1988, je sais pas exactement l'année, qui s'est dit, je veux un ordi user-friendly, je veux qu'il soit léger, je veux qu'il soit élégant. Et c'est en 2020, 2000, je ne sais pas quelle année exactement, que l'idée dominante de comment dire, de son rêve Exactement, est oui. née, tu vois. Il y a ce qu'on appelle dans les étapes d'évolution d'un produit. Il y a les étapes de vie d'un produit ou d'évolution. Mais je voulais plutôt parler d'innovation. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que la population africaine est prête pour ces concepts? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'innovation. Il y a les innovations qui viennent vraiment tout chambouler. Bam! Elles sont révolutionnaires. Il y a les innovations qui vont aller step by step. Et pendant ces steps, ça ne veut pas dire que l'économie sera forcément d'échelle. On aura un vase creux pendant lequel peut-être l'entreprise sera en moins. Et quand ça va percer, bah, ça va percer comme avec les Mac. Mais ça ne veut C'est pas dire. pourquoi, C'est pas parce que, oui. excuse-moi, c'est pas parce que le marché ne répond pas tout de suite comme on s'attend que c'est pas une bonne idée pour autant. Ça ne veut pas dire ça. Ou alors que le marché n'en a pas besoin, tu vois. Alors, c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de vision. Parce que si vous avez la vision, vous comprenez que vous n'êtes plus dans le court terme. Vous êtes dans le long terme. OK? Ouais, Et comme Laetitia a dit, ce n'est pas parce que votre produit, le marché l'a refoulé, que vous le mettez forcément à la poubelle. Non. Vous pouvez être dans l'amélioration continue. Parce que si le marché le refoule, on vous donne également des éléments qui vous permettent de faire de l'amélioration en continu. il y a Donc, plusieurs globalement, c'est ça. Il y a Oui. plusieurs composantes dans un produit. Il y a des produits qui sont révolutionnaires, il y a des produits qui sont évolutionnaires, c'est-à-dire il y a un produit qui va venir révolutionner le marché, il y a un produit qui va venir évoluer, comme par exemple Coca-Cola et l'autre boisson qui est noire. Je sais même pas le nom, mais je sais qu'il y a une autre boisson qui est noire. Le Coca-Cola Exactement. est venu révolutionner le marché, une boisson noire. Ça n'a rien d'attrayant, ça. Mais tu vois, il y a une autre boisson qui est venue évoluer en proposant d'autres couleurs aussi, tu vois. C'est une évolution. Exactement, ouais. Et ça ne veut pas dire Après, qu'on n'en a pas besoin forcément. moi, ce que je dis également, c'est quoi? C'est que j'ai causé avec un DSI, un directeur du système informatique, qui a fait près de 20 ans de boîte en Afrique, je dis 15 ans de boîte en Afrique. Il est de parents sénégalo-ivoiriens. Et il m'a dit, il est né en France, les parents sont en France. Quand il a eu la mission en Afrique, il s'est dit, bah, il faudrait en effet que j'aille en Afrique. Mais derrière, il ne. Comment est-ce que je vais dire ça? Il s'est dit en effet que quand il est arrivé, parce qu'il avait une expérience en France, il s'est dit quand il est arrivé en Afrique dans les boîtes, il devait les apprendre comment on se connecte sur Word, comment. C'est-à-dire, il avait cette conception de l'Afrique. Mais quand on a échangé, il m'a dit qu'il était étonné de savoir qu'il y a des technologies en Afrique qu'on n'utilise pas en France. Pour dire des technologies avancées qu'on n'utilise pas dans les entreprises en France. Il a travaillé pour pas mal de groupes hôteliers, Hôtel Azalea en Côte d'Ivoire, pour Carrefour et Auchan, mais au Sénégal, en Côte d'Ivoire et partout. Donc il m'a dit qu'il y a des outils, il y a des technologies qu'il était étonné que les gars connaissaient là-bas qu'on ne connaît pas forcément ici en France. Donc, je pense que tous ces outils, toutes ces technologies, d'une manière ou d'une autre, peuvent être adaptées en Afrique. Peut-être le marché n'est pas prêt en 2020, mais de par votre vision, le marché sera peut-être prêt en 2025 ou en 2030 ou en Voilà. Et ce n'est pas 2040, je ne sais parce pas. que le marché n'est pas prêt qu'il n'y a pas ce besoin. C'est que Exactement, oui. le besoin n'est pas formulé de telle sorte que le marché comprenne qu'il a besoin. Par exemple, tu viens au Cameroun, tu commences à faire Uber. Tu t'appelles Ubix. Et tu dis que tu fais Uber, tu as cette application mobile. C'est normal que quand tu pitches ton Uber, ça passe pas parce que tu ne pitches pas de la bonne manière. Tu dois le pitcher selon les besoins des riverains, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros besoin aussi lorsqu'on parle de transfert de technologie. Il y a une grosse étape de contextualisation et aussi
comprendre bien la composante de chaque produit ou de chaque service qu'on veut proposer. Est-ce que c'est évolutionnaire? Est-ce que c'est révolutionnaire? Quelles sont ses valeurs? Est-ce que ces valeurs sont pérennes dans le temps? Est-ce que ça répond vraiment à un besoin contextuel? Est-ce que, en fonction de ça, on a sa stratégie. Des entreprises qui existent avec de la révolution, mais ils continuent d'exister et ils savent comment ils ont leur financement, tu vois. Il y a plusieurs créneaux. Il En n'y a pas fonction Il de y a pas, votre... attends, je finis. Il n'y a pas que le produit et le service, mais aussi la recherche et le développement. C'est de la pure Très recherche. bien. Tu recherches et Très tu fais bien. des brevets, ainsi de suite. Ce n'est pas qu'un produit je vends, un service je vends, non. Il y a de la recherche aussi. Tu peux te faire breveter, tu peux faire accompagner, ainsi de suite. Ce n'est pas toujours seulement pour évoluer ou, comme on dit en italien, collo di bottiglia. Ce n'est pas seulement pour suivre quelqu'un derrière et faire une boisson noire d'autre couleur. Tu peux toi aussi créer un produit, même si le marché ne répond pas tout de suite, c'est que ton pitch, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner Alors, et coacher. pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, qui est juste magnifique. Alors, il y a un couple ivoirien qui a défilé, je pense, en 2019-2020, Stanislas, Zézé et sa femme et tout, qui ont fait un peu... cet homme qui travaillait en effet avec sa femme et les gars ont créé une entreprise qui fait de la notation financière. Notation financière, quand ils l'ont créé, ça s'appelle Bloomfield Investment en Côte d'Ivoire. Quand ils l'ont créé en 2008, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est que la notation financière. Eux, ils sortaient des États-Unis, ils se sont dit, on va aller en Côte d'Ivoire, on va créer un marché en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que peut-être eux, ils avaient déjà les économies parce que lui, il travaillait déjà dans de grosses banques, dans de grosses holdings et tout. Donc, ils avaient peut-être des économies et derrière, ils sont allés créer un marché. Et aujourd'hui, ils sont la première agence africaine de notation financière. Quand je dis africaine, je veux dire de l'Afrique subsaharienne. Donc, ils sont la première agence qui aujourd'hui fait la notation financière. Donc, je pense que en fonction de comment on se positionne derrière, on peut également aller créer un marché. Si vous montrez aux banques, vous montrez aux institutions, vous montrez au gouvernement qu'il a besoin de notation financière pour, par exemple, prendre des prêts à l'international, c'est clair que vous lui dites, moi j'ai travaillé par exemple pour Société Générale en France. Et Société Générale, pour partir prendre des prêts par exemple à la Banque européenne, faisait des notations financières pour montrer qu'elle était solvable, pour montrer qu'elle pouvait rembourser ses prêts, machin truc et tout. Donc si vous créez ce marché, c'est clair que ça ne prend pas à l'instant. Mais au fur et à mesure, les personnes seront formées, éduquées, comprendront, vous organisez des formations, des séminaires, des ceci. Je ne dis pas aux entrepreneurs qui ont 1000 euros dans leur compte d'aller le faire. C'est pas pour simplifier, hein, c'est juste une caricature. L'homme, lui, peut-être qu'il avait déjà une certaine assise financière avant de partir le faire. Parce que pour créer un marché, il faut savoir qu'au début, vous allez vivre sur vos ressources. Et lui, il avait déjà peut-être son assise financière. Mais il a pu créer le marché et aujourd'hui, il est un exemple de success story en Afrique. Il fait des conférences partout en France, partout pour présenter en effet sa stratégie, pour montrer comment il a pu créer en effet le marché. Il a des représentations aujourd'hui partout, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout. Et les entreprises, les organisations, les gouvernements font des notations financières pour montrer en effet qu'ils sont solvables devant les prêteurs mondiaux. Donc, en fonction de comment on se positionne, en fonction de notre expertise, on peut également ouvrir un marché qui peut-être était inexistant ou alors qui était latent. En fait, moi, j'aimerais juste dire que tous les marchés sont ouverts. Tous les marchés sont ouverts. C'est juste que on n'est pas, comme tu as dit, éduqué sur ce sujet-là. Par exemple, moi, je prends mon cas. Je travaille dans une boîte qui, dans une start-up. Donc, pourquoi j'insiste sur l'évangélisation, se former toujours, 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 parce que on travaille par exemple dans un secteur où les gens ne sont pas aware, ils n'ont pas conscience de ça aujourd'hui. C'est le secteur de l'énergie. Ils n'ont pas conscience, mais ça fait partie de leur quotidien. Ça fait partie de leurs inquiétudes, mais ils n'ont pas conscience de ce que ça va causer comme problème dans 10, 20 ans. Donc, quand vous êtes dans ce genre de processus, que ce soit de recherche et développement, peut-être vous dites que mon produit ne prend pas aujourd'hui parce que vous ne savez pas quel type de produit vous avez. Vous ne savez pas que votre produit, il est révolutionnaire et du coup, oh mais ça ne prend pas, oh mais ça ne prend pas, oh mais il faut revoir la stratégie dans ce cas. Donc, il y a vraiment un gros besoin d'identification de produits ou de services ou de secteurs. Une fois que c'est fait, tu stresses plus.
Tu sais que mon produit, il est révolutionnaire, alors voici ce qui va se passer. Mon produit, ah, il est plutôt évolutionnaire, donc je peux faire des stratégies plutôt court, moyen, long terme. Si c'est révolutionnaire, tu es sur du long terme, mon gars. Tu es sur du long terme, mais c'est comme ça, à moins de changer de secteur. Donc, je pense que regarde, aujourd'hui, on a de l'NFT. Qui aurait dit que l'NFT aurait été une monnaie d'échange ou aurait été un marché même? Donc, je pense que tout est possible, en fait, à partir du moment où vous faites ce qui est aligné avec vous-même. Et que vous avez la politique de vos moyens, parce qu'après tout, c'est l'argent qui compte. Hein. Parce que si tu dois faire des pubs pour évangéliser des gens qui sachent c'est quoi ce que tu fais, c'est un peu de l'argent qui va parler, le bouche à oreille, ça ne suffit plus à un niveau. Après, moi, ce que je vais rajouter sur ce que tu dis, Laetitia, c'est avec cette jolie voix mielleuse, c'est oh, ça semble très facile. Je vais Ah créer le marché, ouais. nanani, nanana. Non, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'adversité, hein. Ouais. Il y a un coach qui disait en effet que l'entrepreneuriat, c'est comme la boxe. Tu mets les gants et tu t'apprêtes à recevoir des coups. C'est-à-dire, il y a des coups qui te mettent des KO techniques. Ouais. Boum, 2 secondes, tu es tombé. Comme il y a des coups, tu vas bloquer, tu vas faire la Francis Ngannou, après tu seras vainqueur. Donc, pour Ouais. moi, il faut savoir que raconter, ça peut être bien, ça peut être joli, mais il faudrait une réelle volonté, une réelle passion, une réelle abnégation, une réelle résilience. Également, ça, une vraie vision derrière et être prêt à prendre tous les coups, hein. Il y a des Ouais. entrepreneurs qui vendent leur maison parce qu'ils se retrouvent endettés au point où il est obligé de vendre la maison pour tenter encore. Il y a pas mal de cas de figure où des entrepreneurs qui ont vendu leur maison, qui ont vendu ceci, qui ont vendu Ils ont cela, qui se sont tout retrouvés à la rue. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose d'aussi mielleux. Hein, donc c'est oh non, non, on porte les gants, on porte les gants et on bataille vraiment, ouais. quoi. Parce En tout que. cas, moi, je me suis retrouvée dans les deux cas. J'ai été, enfin, j'ai pas été officiellement auto-entrepreneur, mais j'ai entrepris. J'avais quoi? J'avais 21, 22, 23 ans. J'ai entrepris et je pense que je me suis mise dans les chaussures d'un entrepreneur. Quand je parle du Cameroun, le contexte, le management au Cameroun, c'est parce qu'il y a un réel besoin de création de mécanismes, de systèmes managériels, un système, des systèmes managériels au Cameroun parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, je suis dans le salariat et je suis dans la R&D, donc ça veut dire que chaque jour, on apprend à apprendre. Et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui devant la caméra à me dire, il y a un réel besoin d'apprentissage, de motivation. Si ma voix est autant mielleuse, c'est pour quelque part aussi simplifier les choses, parce que c'est pas grave d'échouer. You know, c'est pas grave d'échouer, because si tu n'avais pas essayé, tu n'aurais pas su et tu n'aurais pas appris. Si tu n'avais C'est vrai. pas essayé, tu n'aurais pas échoué, tu n'aurais pas su que, en fait, non, la R&D, c'est pas pour moi. Moi, je ne veux pas de produit révolutionnaire. Moi, je veux un produit évolutionnaire. J'attends que les grands groupes fassent, allez, je copie, je les suis. Tu vois. Donc, je ne peux pas aujourd'hui parler en dramatisant parce qu'il y a un besoin aussi d'éveil. Hein. On est là pour ça, je pense. Je pense que si on est là, c'est qu'il y a un gros besoin d'éveil. Mais sachez que moi, je vous parle en cette position. Moi aussi, j'ai ramé, j'ai perdu mon argent. J'ai fait des mauvaises collaborations avec les gens. Aujourd'hui, dans le salariat aussi, je vois bien que, comme on a dit au début, l'agilité, ça ne marche pas spécialement bien. Tout ça, il y a toujours besoin de. C'est sûr, il faut prendre conscience que c'est pas une promenade tranquille, C'est mais clair. en fait, faut être motivé, quoi. Faut être motivé. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Bon, maintenant qu'on a le schéma, on connaît la personne derrière Kevin Dango. Je sais que beaucoup de personnes le voient souvent sur LinkedIn. Est-ce que, avec moi, tu veux bien faire mon outil préféré en management? Je vais Oui. t'épargner la matrice, la PESTEL, l'analyse PESTEL. Et donc, on va se faire une petite analyse SWOT pour que peut-être les gens qui ne savaient pas, ils sachent ce que c'est. Est-ce que, je sais pas, tu veux qu'on fasse une SWOT d'un de tes business ou de ton approche, tout simplement, pour qu'on sache c'est quoi une SWOT. Du coup, Je te donne le choix, hein. J'ai pas de on laisse problème. le choix. Alors, on va parler de Easy Training, ouais, parce que, ouais. D'accord. Bon, Easy Training, c'est assez puissant comme outil. Du coup, quelles sont les faiblesses de Easy Training selon toi aujourd'hui? Ou alors, attends, je te laisse définir c'est quoi une matrice SWOT en tant que formateur. Alors, disons que la matrice SWOT, c'est une matrice qui nous permet d'analyser en effet nos forces, nos faiblesses. Et il y a quoi d'autre? Forces, faiblesses, Les c'est menaces, les menaces et ensuite les opportunités. les opportunités. Très bien, merci. Il faut savoir que je suis formateur. Je suis formateur, mais je suis également entrepreneur. Oui. Et un entrepreneur ne parle pas de ses faiblesses.
Ok. Je parle de mes faiblesses en off, mais je parle pas de mes faiblesses à Mondovision. Donc, la partie Tu peux faiblesse, parler. Tout le la monde le partie sait, hein. faiblesse. Enfin, moi, je sais. Pardon? Savoir les faiblesses d'un service de formation. Donc, c'est bien que tu le dises quand même pour les autres. Un exemple de faiblesse que tu peux connaître. La concurrence. Bon, pour nous, c'est pas une faiblesse. Une menace, peut-être. Menace, oui, mais c'est pas une faiblesse. Ouais. Donc, disons que le côté faiblesse, laissons. Parlons des autres. Parlons des autres cas. La faiblesse, nous, on la travaille au fur et à mesure. On mène l'amélioration continue sur la faiblesse. Mais disons D'accord. que en termes de menace, en effet, il y a la concurrence. OK? Mais attends, je vais mettre une faiblesse. Hein. Je vais mettre une faiblesse. Une faiblesse. Non, non, je préfère pas. Parlons des menaces. Les menaces, on a en effet la concurrence. Ça, c'est la Ouais. première chose. Autre menace, on a les mauvais retours d'expérience. Mais non, ça c'est pas une. Mauvais, si, si, c'est une menace dans la mesure où on a eu des cas de figure, des personnes qui sont venues se former chez nous, qui ont fait de la mauvaise publicité ailleurs, Ah, d'accord. alors que derrière, elles n'arrivaient même pas à payer la formation. Donc, on a recoupé l'information, on est tombé sur la personne et tout. Donc, ça, c'est également une forme de menace pour nous. La mauvaise publicité, alors que nous. La Très bien. parce que la formation, Exactement. vous savez, je ne sais pas quel type vous avez. Parce que si, par exemple, moi, je suis sur Open Classroom, l'instructeur n'est pas là avec moi et je peux ne pas suivre tous les modules et dire que Open Classroom, c'est pas bien. Tu vois? Voilà. Alors, c'est attends, disons que la règle du jeu dans la formation, c'est en effet que vous êtes formé et vous donnez votre avis. L'avis peut être extrêmement positif et il peut être extrêmement négatif. Mais il D'accord. faudrait que derrière votre avis ait du sens. C'est-à-dire qu'il faudrait que que vous ayez suivi la formation dans son entièreté. Si vous prenez une formation qui dure 6 mois et qu'au bout de 2 semaines, vous jugez la formation, on est d'accord qu'il y a un peu de légèreté. Ah, d'accord. OK? Que vous jugez, vous faites des commentaires négatifs sur la formation, alors qu'on n'a que fait 2 semaines sur 6 mois, il y a un peu de légèreté. Après, ça fait partie du jeu. Ça nous permet à nous de nous améliorer. Donc, pour nous, c'est une menace, les personnes qui font. Mais après, on se focalise pas Ouais, trop sur ces personnes-là. mauvaise foi. C'est des méchants. Et je dois donner combien d'indicateurs par machin, par Ça case? suffit juste pour qu'on comprenne c'est quoi l'analyse SWOT. Très bien. Alors, opportunité, on a le marché. Opportunité, on a toutes les personnes à former. Opportunité, on a également le fait que l'État aujourd'hui débloque des sous pour former pas mal de personnes, c'est-à-dire, je pense, c'est 13 milliards pour former les Français. Ça, c'est pour la France. Il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a tout le continent africain. Donc, ça, c'est des opportunités pour toutes ces personnes-là à former. Il y a quoi d'autre qu'on a oublié? La force, c'est Opportunité. trop La modeste. force. Force. La force, très bien. Disons que la force, c'est que nous sommes des formateurs qui sont passionnés. Vraiment passionné. Et Professionnel. on a autour, oui, professionnel, oui. C'est vrai que quelquefois, on déconne un peu, mais Ça ça reste joue. toujours dans. Très bien, oui. Mais principalement, c'est ça. C'est qu'on a autour de nous des personnes qui ont une certaine vibe. OK? Donc, quand on passe, on laisse vraiment les traces. Donc, c'est ça la force. C'est qu'on a une vibe et puis Une on est vision, passionné. Exactement, des exactement. valeurs, C'est ouais, ça qui ça se crée, ressent. oui, en effet, c'est ça qui crée notre. Ce sont ces éléments qui font partie, en effet, de ce qu'on a comme force à Easy Training. Mais après, il y a pas mal de choses également qu'on peut mettre en avant. Ouais, bon, c'était bien. C'est la fin du Oh, c'est pas possible, j'ai pas parlé de ma conférence. Ah, tu vas parler de ta conférence. Donc, tu as une Oui, conférence. alors. En effet, oui, parlant d'Easy Training, bah après, ce n'est pas une conférence purement sur l'entrepreneuriat ou bien sur les défis de l'entrepreneur africain. Parlant D'accord. d'Easy Training, disons que le 25 juin à Paris, nous organisons en effet une conférence sur le DevOps. Le DevOps, c'est une philosophie de travail qu'on a aujourd'hui dans pas mal d'entreprises. Et il y a la possibilité pour les gens de se former au DevOps, de devenir consultant DevOps et derrière d'avoir. Super, ça c'est la meilleure d'Iran. On est tous des beaux gosses. Ça c'est tuant ça. Donc, comme je disais, nous organisons en effet une conférence le 25 juin à Paris.
Et c'est autour de la thématique du Gratuite, elle est DevOps. payante, Non, comment? elle est payante. Elle est payante. Elle est payante, Elle est d'accord. payante. Ils vont en sortir aussi du gratuit, non? Hein, Oh, gratuit, gratuit. je On a fait beaucoup de gratuit. suis d'accord, oui, parce que quand c'est payant aussi, tu sais qu'il y Ouais. a du contenu et tu sais que voilà, tu attends de la qualité de l'autre côté. Moi, je Alors, reviens. très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce que nous faisons, que ce soit du gratuit, que ce soit du payant, on se rassure en effet qu'il y a une certaine qualité. Parce que nous, on D'accord. n'est pas là simplement pour dire qu'on est formateur. Non, on se rassure en effet qu'il y a une certaine qualité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes partenaires de très grosses structures en France. SFR, Dévoteam, La Poste, tous ces grands groupes, on est partenaires. On forme des centaines d'ingénieurs, hein, donc, qui Ouais. utilisent notre plateforme, qui sont coachés, qui sont accompagnés par nos formateurs. Donc derrière, la qualité, c'est sûr qu'elle sera au rendez-vous. Après la somme, je vais dire que on a pensé à quelque chose de modeste. C'est vrai qu'il y a trois paliers. Donc il y a trois Oui, paliers, il y mais a un n'oublie palier. pas. Moi, si le DevOps, ça m'intéresse, je viens parce que c'est l'avenir, hein, le DevOps aujourd'hui. Alors, j'ai pas fini, j'ai pas fini. C'est pas que le DevOps, mais également la possibilité pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est qu'un freelance. C'est-à-dire, la formation a pour but de vous sensibiliser premièrement au métier du DevOps, à la philosophie DevOps, et ensuite de vous donner les outils qui vous permettront de devenir freelance. Donc, on part de nos expériences, on part des expériences des centaines de personnes qu'on a accompagnées aujourd'hui, qui ont trouvé le travail au Canada, qui ont trouvé le travail en Suisse, qui sont chefs de projet en France, qui sont freelance. Et derrière, l'objectif pour nous, en effet, c'est de les accompagner et de vous permettre ou de devenir DevOps ou de devenir freelance. Parce que c'est un monde qui est ouvert à tout le monde et c'est également la possibilité pour les personnes. Parce qu'il faut savoir que pour être entrepreneur, c'est bien parfois de passer par la case freelance avant de lancer réellement une boîte. Pour ceux qui se disent, je veux lancer un truc en Afrique, mais je n'ai pas forcément les sous, et qui ne savent pas qu'ils peuvent être freelance avant, en effet, de lancer leur boîte en Afrique et tout, c'est le moyen pour vous. Donc, venez, en effet, aller sur notre site Internet, vous allez retrouver le lien de la conférence. Je pense que je pourrais également vous le mettre dans le chat ici. Mais le Pensez, mettre. exactement, pensez à venir à la conférence. On vous expliquera également comment est né Easy Training, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme chiffre, même si ça reste petit. Et on vous dira en effet, on vous donnera en effet les clés qu'il vous faut pour devenir freelance. L'objectif, ce n'est pas simplement de vous présenter ça de manière théorique. OK? L'objectif, c'est de mettre en place une formation, une conférence pratique sous forme de formation, dans laquelle moi, je vais présenter d'abord qu'est-ce que c'est que le DevOps. Ensuite, Diran prendra toute la partie technique. Et ensuite, lui et moi, on parlera de la partie freelance. Il y a D'accord. la possibilité également pour vous de bénéficier de nos bootcamps. Parce que derrière, les personnes, disons, on a plusieurs paliers de billets pour rentrer. Et les personnes qui ont des billets VIP pourront en effet se former au métier de DevOps. C'est-à-dire, derrière, il y a un réel accompagnement qui est mis en place. Si vous voulez lancer votre boîte, si vous voulez devenir freelance, quel statut choisir, comment payer ses impôts, bref, il y a toute une batterie d'éléments que nous avons mis en place pour vous accompagner. D'accord, Donc, tu ce n'est pas devrais. simplement de vous donner des éléments comme ça, ensuite vous allez vous battre dans la nature, non. On Ouais. sera là pour vous montrer que c'est possible parce que nous l'avons fait, ou alors nous sommes en train de le faire, on a vu que c'est possible, et on veut faire ce que j'ai mis dans le livre comme citation. Tenir la main. On traverse une rivière, on tient la main aux autres pour en effet traverser avec nous. Et plus tard, on sera content du succès qu'on aura généré. Donc globalement, c'est ça. Je pense que il y aura d'autres lives. Je pense à partir du 1er juin, je vais faire plusieurs lives également pour préparer cette conférence-là pour qu'elle puisse être un succès. Si je vais te passer également le flyer, si tu peux le partager quelquefois sur tes réseaux, ça nous fera clairement plaisir. Ouais, moi j'en J'espère également que tu vas prendre ton ticket. Hein. T'as dit, tu prends ton ticket et tu m'amènes au moins 5 personnes. Parce Ouais, je que. voulais te dire, écoute, Oui. donne-moi un code promo, je sais pas pour ma communauté. Oh, Nous, colo. écoute, nous avons découvert cette conférence en live Oui. ensemble avec toi en premier. On peut Très bénéficier bien. de quelque chose de par notre Alors, oui, proximité. vu que je suis Juste pour le synchronisé avec. livre, parce que j'ai reçu Yeah. des messages des gens qui me demandaient, tu comprends? Il faut un code Code promo promo. pour le livre.
Oui, parce que ils sont là, ils sont proches de nous, ils sont au début, tu vois. D'accord, disons que tous ceux qui vont passer par Laetitia, ils t'écrivent directement en inbox. Tous ceux qui passent par Laetitia, le livre, c'est 15 euros au lieu de 25 euros. T'as vu, c'est bien ça. Très Voilà, bien. c'est Donc, fait. tout ce qui passe par Laetitia, le livre, c'est 15 euros. Il suffira simplement de la contacter. Vous payez chez elle et ensuite je vous enverrai le livre dédicacé. Et pour ceux qui viendront, c'est vrai que le ticket de base pour la conférence, il est à 200 euros. D'accord. Et parce que je suis synchronisé avec Diran, on va faire. Oui, faites quelque chose pour ma communauté parce que je vois beaucoup de personnes qui me demandent Oui, alors comment. disons qu'on va faire une forme de réduction pour ta communauté. Oui, faites ça. On fera peut-être un 50 euros de réduction, peut-être C'est un très 30 bien déjà. euros. Mais dans tous les cas, il y aura également une réduction. Et si tu peux, en effet, programmer un autre live, je demande vraiment pardon, là, mais si tu peux programmer un autre live, peut-être pour le 10 juin, comme ça, je sais pas. Même Ouais. si c'est un live de 30 minutes où je viens, je parle simplement essentiellement de la conférence, Peut-être ça me sur fera plaisir. Instagram parce qu'ils ont beaucoup de mal à Instagram à nous rejoindre sur Facebook. Sur Très bien, Instagram, il n'y a pas de souci. je Il n'y a pas de souci. pense que c'est hyper important pour les gens de savoir c'est quoi le DevOps, surtout pour les garçons qui sont développeurs. Parce que Oui. le marché ne s'arrête plus à être développeur. Moi aussi, je suis développeur, mais ça ne suffit plus. En tout cas, moi, je suis ingénieur machine learning. Et on me pousse toujours à faire du Ops. De notre Ouais. côté, c'est du ML Ops. Donc, c'est vraiment l'avenir, en fait. Donc, il faut la faire, ce bootcamp. J'aime beaucoup l'idée que ce soit pratique. Je vais en parler. Exactement, exactement. Ouais, ça serait hyper intéressant. Après, il y a beaucoup de cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux également pour ceux qui vont venir à la conférence. Vous allez gagner mon livre. Vous allez gagner le livre de Diran parce que Diran également, il a écrit un livre. Vous D'accord. allez quoi encore? Vous allez vous amuser avec nous. Vous allez voir nos têtes. On va échanger. Vous D'accord. repartirez avec beaucoup de sourires et beaucoup de vibes. On va dire que sur Insta, on va se faire un live avec Diran aussi. Vous êtes des beaux Ça, gosses. c'est super. Ma communauté, ça va pas les déranger. Ça, c'est super. C'est Avec super. tous les codes promo. Avec le Oui, code alors, promo du super, livre, oui, super, le oui. code promo de la conf, parce que franchement, les gens me demandent à chaque fois, mais comment tu as fait? Tu connais beaucoup le management, tu connais beaucoup l'informatique, comment tu fais en fait? Moi, je fais des formations tout le temps. Tout le temps. Très bien, super. Donc Ouais. oui, on va venir sur Instagram avec tous les codes promo pour que voilà, toutes les personnes qui veulent faire ce bootcamp, je préfère l'appeler bootcamp parce que moi j'aime quand c'est Oui. pratique. Ce bootcamp sur Alors, la c'est très pratique, ça c'est sûr. C'est très, très, très pratique. Ouais, c'est trop bien ça. La formation DevOps et se lancer en tant que freelance, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'impôts quand on est dans le salariat et aussi des réductions aussi pour le livre. Donc, on va bien formuler tout ça et venir sur Instagram faire ce live et on va le Ça reposter c'est sur super. YouTube. Ça c'est super. Voilà qui est fait. C'était bien. C'était bien ce live. C'était bien Est-ce ce qu'il y live. a des questions? Il n'y a pas beaucoup de questions. Je pense qu'on a répondu. Je prenais les questions en même temps sur Instagram. Ah On a. d'accord, très bien. Ah, oui. Et ici, les questions qu'on a posées, on a fait le tour. Et tu étais très pédagogue dans ton approche aussi. Tu répondais aux questions avant que je les pose. Chapeau. Merci, merci Laetitia. Écoute, je te Merci remercie. pour ouais. Je te Merci remercie. pour l'opportunité. Moi, t'as vu. Moi aussi, je te remercie pour ta disponibilité, pour ton temps en ce dimanche soir. Et j'espère qu'on va se revoir. Et moi, je t'encourage à oser briller. Que ce soit par tes vidéos, je sais pas, Facebook, YouTube, que ce soit même par d'autres conférences sur des sujets qui te passionnent, qui viennent de toi. Moi, Super. je t'encourage à faire ça, ouais, totalement. Super. Merci, merci. Bah, écoutez, un mot de fin concernant les problèmes des entrepreneurs africains. Un mot de fin. Alors, un mot de fin concernant les problèmes des entrepreneurs africains. Le mot de fin que moi, je me suis imposé à moi, c'est que la seule barrière, c'est nous. Donc, la seule barrière pour chacune des opportunités, c'est nous. Et le mot de fin, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai regardée aujourd'hui alors, la chaîne, c'est La 3 en Côte d'Ivoire. La chaîne, c'est La 3. Si vous allez sur YouTube, vous mettez La 3, vous mettez Toufan et Magic System. D'accord. Et les Toufan racontent comment ils ont rencontré Magic System et ça a fait décoller leur carrière. Ils disent, on était jeunes. On n'avait rien, on avait sorti un son de 7 minutes. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on ressemble
à certains leaders africains. Kofi Olomide, Jimmy Mpiana, Magic System. Et parce qu'on était en groupe, on s'est focalisé sur Magic System. On est allé en Côte d'Ivoire un jour et par hasard, on a rencontré le grand frère Assalfo. Et quand on l'a rencontré, on a dit, grand frère, voilà notre musique. Il a dit, ah, c'est vous qui chantez ça, parce qu'il avait déjà écouté. Il a dit, j'ai deux critiques à vous faire. Première critique, c'est que c'est trop long et vous n'allez jamais passer à la radio. Deuxième critique, c'est que il faut me chercher. Pas deuxième critique, deuxième conseil, il faut me chercher. Et je vais vous faire passer au FEMUA. FEMUA qui est le festival organisé par Assalfo. C'est tout ce qu'il leur a dit. Quand ils sont rentrés, et il a donné en effet un contact d'un manager, que contactez-le pour passer au FEMUA. Quand ils sont rentrés au Togo, ils ont appelé le manager une fois, deux fois, 10 fois, ça passait pas, ils ont laissé des mails, rien. Oh. Ils sont revenus en Côte d'Ivoire, je pense par la route, et ils sont venus au moment où le FEMUA s'est déroulé, parce ils se sont dit, gars, ils nous avaient demandé de venir et tout. Quand ils sont venus, ils ont essayé de le rencontrer, on les a refoulés. Ils ont tout fait, on les refoulait à tous les niveaux parce qu'ils n'étaient pas invités, ils n'étaient pas connus, ils n'étaient pas stars. Et ils sont partis à l'hôtel Ivoire, où en effet dormaient tous les artistes. Et dans le hall de l'hôtel, ils ont rencontré Assalfo. Et quand ils le rencontrent, il dit, mais vous les petits, je vous avais dit que vous devez passer et tout, nanani, nanana. Il dit, oui, grand frère, on a tout fait, on a tout essayé. Il dit, donnez-leur une chambre. On leur donne la chambre et il s'en va. Et ils se disent, on nous a donné la chambre, mais on va pas passer, on n'a pas de ticket, on n'a pas de badge, rien. Le matin où les artistes devaient prester, les gars sont descendus pour entrer dans le bus, on les a refoulés en leur disant, mais vous n'êtes pas artiste, vous n'avez pas de badge, vous n'avez rien. Ils sont restés dans le hall, tout le monde était parti. Et ils ne se sont pas découragés, ils se sont dit, bah, on va attendre, si c'est chaud, on va aller jusqu'au FEMUA là-bas, entrer même comme des spectateurs et ensuite on va essayer de le voir. Mais à la grande surprise, qui vient dans le hall du couloir comme dernière personne, c'est Assalfo. C'est Assalfo qui vient, il les voit, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais je vous ai dit. Et Assalfo venait chercher Claudicia pour la présentation du FEMUA. Assalfo les prend, ils entrent dans la voiture, ils vont prester, et c'est de là que leur carrière décolle. C'est pour faire comprendre aux entrepreneurs que la seule barrière, c'est vous. Si vous allez chercher votre destin, il vous trouvera. Et si vous restez chez vous à vous dire que les sorciers du village vous veulent du mal, ils vous voudront du mal. C'est mon mot de fin. Merci. Wow, merci, j'ai plus rien à ajouter. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux respectifs parce que Kevin, il va pas mal parler de sa conférence et là-bas, vous pourrez voir le programme à dérouler durant ce bootcamp et vous serez peut-être plus convaincu. Là-bas, on va pas parler de DevOps ici. Et rejoignez-moi sur mes réseaux, c'est laetitia.ne, lui c'est Kevin Dango. Et sur ce, je vous remercie. Alors, Diran également, si vous pouvez le suivre, hein, Diran Tafen, expert DevOps, hors Oui, pair, hors échelle également. d'accord. On aura Diran sur Instagram prochainement. Ouais. Sur Instagram ou YouTube, je verrai, en fonction de comment le marché réagit. Les deux, ta communauté va grow, va grow. Les deux. Les deux. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, Kevin. Et Merci je te Laetitia, dis merci. bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.